Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau direct. Écoutez, comme vous pouvez le voir, ça va commencer plutôt dans 4 minutes. Je vais juste installer ma webcam et puis bah écoutez, on part tout de suite pour le direct. Salut Aigle, bienvenue. Hop là, là vous me voyez en grand écran. Toc. Et voilà. Allez, on va se mettre en tout petit, ça sera mieux. En tout cas, bienvenue à tous. Donc c'est quand même un moment historique, on peut le dire quand même, puisque c'est la première fois qu'on va envoyer une équipe de cinéma dans l'espace. Donc il y a le producteur et l'actrice, plus un astronaute, enfin cosmonaute professionnel, qui vont décoller d'ici quelques heures. Donc, ça devait être Tom Cruise le premier. Ça sera pas Tom Cruise, ça sera une actrice russe. Donc, écoutez, on a hâte de voir tout ça. Puis, ben, on va attendre tranquillement. Donc, direct dans 3 minutes maintenant. Donc je vous ai posé une question toute simple. Pensez-vous que ce soit une bonne idée que le cinéma utilise l'ISS comme plateau de tournage, oui ou non? Pour l'instant, vous répondez oui à 67%. Bon, bah, ça ne m'étonne pas, hein, c'est pas unanime. C'est vrai que ça peut être un peu partagé. Faut dire que l'ISS est quand même une plateforme de recherche, une plateforme pour la science. Donc bon, là on a déjà les Russes, après on aura Tom Cruise. C'est vrai que si ça devient un peu la foire à tous, et bon. Ça devient un peu la foire à tous, et bon. Ça devient un peu la foire à tous, et bon. Ça devient un peu la foire à tous, Ah, je m'entends en double. Oh, attendez. Ah, je m'entends en double. Ah, c'est normal. Voilà, problème résolu. Allez, on va patienter encore quelques instants. On va partager un petit coup le petit direct. Puis bah écoutez, on va patienter tranquillement. Allez, direct Roscosmos maintenant dans 60 secondes. On devrait assister du coup à la présentation des trois cosmonautes, à l'installation dans le Soyouz, normalement. On va voir ce que Roscosmos nous propose. En tout cas, bienvenue à tous, installez-vous, vous inquiétez pas si vous arrivez que maintenant, le décollage aura lieu dans 2-3 heures exactement, j'ai plus l'horaire exact, c'est entre 10h30 à peu près. Donc vous avez encore le temps. Hop, je fais 2-3 petits partages. Bah écoutez, ah, on est en attente de Roscosmos. Bah écoutez, on n'a plus qu'à patienter encore quelques instants. Je vais faire un petit point sur le sondage également. On est toujours à 67% de oui pour l'ISS. Donc vous répondez majoritairement que c'est pas une si mauvaise idée. Bon, faut rappeler que l'ISS est également en fin de vie, même si l'on prolongeait jusqu'en 2030. Mais voilà. Allez, le live, en tout cas de Roscosmos, va démarrer dans quelques instants. Je vous avoue, j'ai hâte. Moi, personnellement, j'ai pas d'avis partagé sur le sujet.
n'est pas dans l'abus. Allez, 140 secondes. Alors, normalement, on aurait dû avoir Inspiration Créative avec moi. Bon, je pense qu'elle a eu un petit problème de réveil, vous inquiétez pas en tout cas. Je suis sûr qu'elle va nous rejoindre en cours de matinée. Allez. Oui, lancement prévu donc du coup dans 3 heures. Donc ce qui nous fait 3 heures, ouais, pratiquement lancement à 11 heures. Allez, 1 minute. Écoutez, bon réveil à tous, je suis sûr que vous êtes la plupart. Aigle, j'espère que tu t'es couché, hein, que t'as pas fait nuit blanche, parce que sinon ça va être dur pour toi aujourd'hui. J'adore toujours autant leur intro. Ah, ils nous ont fait une émission spéciale pour le MS-19, ça fait plaisir ça. Доброе утро, это Роскосмос ТВ. Сегодня 5 октября 2021 года с легендарного Байконура запланирован запуск пилотируемого корабля Союз МС-19. Alors, vous inquiétez pas, ça vient pas de votre téléphone ou votre ordinateur. Юлия, позвольте с вами решительно согласиться. В экипаже корабля вместе с командиром, космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым, на международную космическую станцию отправляются и главные действующие лица совместного уникального проекта Роскосмоса и Первого канала, проекта «Вызов», актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Сегодня рабочий день основного и дублирующего экипажа начался в 5 часов утра. Минуты на минуту экипажи должны прибыть на стартовый комплекс, откуда мы начнем получать эксклюзивные кадры. Старт в 11:55. En tout cas, n'hésitez pas à répondre au sondage. И мы покажем это в прямом эфире Роскосмос ТВ. А сейчас с нами на связи Центр управления полетами, легендарный ЦУП в подмосковном Королеве. Там сейчас работает наша съемочная группа во главе со специальным корреспондентом Николаем Вдовиным. Коля, приветствуем тебя. Доброе утро. Тебе слово. Allez, vous avez le décompte. Ah non, vous le voyez pas. Attendez, je suis bête. Si, vous le voyez. Здравствуйте. Je vais réduire un peu mon logo comme ça, vous verrez un peu mieux. Специалисты занимают свои места, как раз сегодня предстоит очень важная работа. Voilà.
Allez, donc du coup, lancement maintenant initialement prévu à 3h05. Donc là, bon, bah écoutez, je vais pas vous faire un speech, hein, ils vont vous faire une petite présentation des trois taïkonautes, des trois cosmonautes, pardon. Parce qu'on a un lancement chinois prévu également ce mois-ci. Je commence un petit peu à mélanger avec tous les gens. Moi, je vais vous relire un petit coup vite fait la description que je vous ai mis sur cette vidéo. Donc, lancement du vaisseau russe Soyuz MS-19 à destination de la Station Spatiale Internationale. À bord se trouve le cosmonaute Anton Shkrapalgov, le producteur russe Klim Shlipkov et l'actrice Yula Perseslik. On avait quand même un cosmonaute professionnel dans le... Le sondage commence à bouger. Vous commencez à être partagé en tout cas sur la question. Donc, 50%. Par contre, je suis désolé en ce qui concerne la retransmission. Il ne s'agit pas de rien, c'est la qualité que nous offre Roscosmos. Ça lag un peu. On fera avec, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc voilà, présentation officielle à la presse des trois cosmonautes. On va les appeler cosmonautes maintenant, même si la plupart sont acteurs et producteurs. Allez, les trois cosmonautes, du coup, qui vont aller s'installer dans la capsule du MS-19. On est à Baïkonour, hein, vous commencez à connaître bien comme il faut, en tout cas, cette base. Moi, ce que je vais faire... Tenez, pour faire un petit peu de... Hop, ouais, voilà. On va mettre ça en attendant. Hop, nickel. Allez, on est toujours dans l'attente, du coup, d'avoir un stream à peu près potable. Parce que je vous avoue que ça pixelise un petit peu, enfin, j'espère en tout cas que ça va s'améliorer. C'est sympa en tout cas. Allez, on voit les trois cosmonautes du coup bien accompagnés comme il faut, qui vont aller s'installer dans la capsule du MS-19. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser apprécier les images quelques instants, je vais retirer ma tête. On sait jamais si vous voulez faire des captures d'écran, puis on se retrouve tout de suite après. Come on!
Готова загрузка заправочной шланги продукта Б-99 от борта изделия межстартового сооружения 20. Какого 20-го принял 5-й? 20-го отстыковать заправочные шланги продукта 099 от борта изделия межстартового сооружения 5-й. Et du coup, on a une belle présentation du vaisseau Soyouz et également de la base de Baïkonour. Bah, c'est vraiment dommage quand même que les images lag comme ça. Je suis un peu déçu. Je peux pas vous mentir, j'aurais bien aimé que ce soit des images lisses. Surtout qu'on va être ensemble pendant un petit moment. Donc, bon, tant pis, c'est comme ça. On fera avec en tout cas. On peut apercevoir la tour de sauvetage qui est juste au-dessus. Donc voilà, je le répète, hein, installez-vous, le lancement est prévu dans un peu moins de 3 heures. Donc si jamais vous rejoignez le direct, ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien manquer. On va patienter le temps que tout ça se mette en place. Là, les trois cosmonautes, donc l'actrice, le producteur et le cosmonaute professionnel, c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, viennent de s'installer, vont s'installer dans quelques instants dans la capsule. Là, on a de très beaux plans. En tout cas, on voit Baïkonour, c'est un vrai désert. C'est un vrai, vrai désert. Ah, je sais pas, ça me chagrine un peu quand même que ça, que la qualité soit comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de voir si je peux pas vous obtenir un stream de meilleure qualité, parce que je vous avoue quand même que ça m'embête un peu. Mais non, ouais, même sur l'ordinateur. Non, bah écoutez, tant pis, on fera avec. Tant pis. Mais en tout cas, ouais, super plan d'hélicoptère. Pour vous prouver que c'est pas moi qui bug, je vous ai mis justement ma petite intro en attendant, là, pour patienter. Vous voyez bien que tout est de bonne qualité, hein. C'est vraiment le stream de Roscosmos qui lag comme ça. On a le raton, comment tu vas? Vous êtes matino? Donc voilà, lancement du coup prévu, ouais ça va et toi? Vers 3h, du coup vous avez le décompte en bas à droite de votre écran. Et puis bah écoutez, je pense qu'ils vont commencer les préparatifs. Alors est-ce qu'on va avoir d'autres images de nos amis cosmonautes? Je pense. J'espère en tout cas qu'ils ont mis des caméras à l'intérieur du MS-19. Donc je le répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc aujourd'hui on est là pour assister au lancement du MS-19 qui va aller s'amarrer, pas demain, aujourd'hui. Hein. Pour le coup ça va être très très court. Donc le Soyouz va décoller vers 11h heure française, je précise pour nos amis québécois. Donc le Soyouz va décoller vers 11h et va aller s'amarrer de mémoire vers 15h45 aujourd'hui, pas demain. Donc pour le coup c'est vraiment très très rapide. Le Soyouz aura à peine le temps de faire quelques orbites autour de la Terre qui va aller directement s'amarrer à l'ISS. Donc cet après-midi, donc en fin d'après-midi, on sera de nouveau en direct pour l'amarrage. Donc ne manquez pas, le direct est déjà programmé sur la chaîne. Bon, j'ai pas encore fait une miniature, mais en tout cas, c'est le prochain direct. De toute façon, vous ne pouvez pas le manquer. Donc voilà, on est là aujourd'hui du coup pour le décollage du MS-19, donc aussi cargo de ravitaillement. À son bord, on a l'actrice russe, le producteur russe et le cosmonaute russe.
Si vous voulez plus de précision, alors j'ai pas marqué un grand descriptif, mais en tout cas vous avez toutes les informations en description. Je vais essayer de vous redire le nom sans écorcher le nom de nos amis russes. Donc à son bord se trouve le cosmonaute donc professionnel Anton Shlapakov, le producteur russe Klim Shimpenkov, pardon, et l'actrice Yula Persechnid. Voilà, je suis sûr que ces noms-là vous disent rien, peut-être le cosmonaute. Mais voilà. J'ai le seum, à 8h j'ai cours, du coup je pourrai pas parler sur le live. Ils vont faire quoi? Bah tout simplement, ils vont aller tourner des séquences pour un film. Voilà. Ils vont aller tourner une séquence pour un film. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Dans le MS-19, il y a bien sûr le ravitaillement prévu pour l'ISS. Mais oui, on est bien sur le premier lancement à destination privée. Et le prochain à partir pour le cinéma, du coup, ça sera du coup Tom Cruise. Alors, quand, je ne sais pas. Ah putain, l'utilité. C'est pour ça que je vous ai mis le sondage, justement. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage. Donc, le sondage, pensez-vous que ce soit une bonne idée que le cinéma utilise l'ISS comme plateau de tournage? Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec tout ça, n'hésitez pas à répondre. Ah, normalement, on a Inspiration Créative qui devrait me rejoindre dans quelques instants. Le réveil qui a pas sonné, ça arrive. T'inquiète pas, stresse pas, t'as encore 2h53 avant que le Soyouz décolle. Mais en tout cas, là, je suis... Pour une fois, on a des super belles images de la base de Baïkonour. Et il faut que le direct saccade. Je suis déçu. Mais bon. Allez, dans quelques instants, enfin plutôt dans quelques minutes, on va laisser le temps de se préparer comme il faut. Inspiration Créative, que vous connaissez sûrement maintenant, viendra me rejoindre du coup pour m'aider à tenir ce direct. Donc voilà, il nous reste encore 2h50. Ça va être long, en tout cas j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Je serai pas dans quelques instants, du coup je serai accompagné de Tiffany. Et puis bah écoutez, n'oubliez pas que cet après-midi, ouais, je vais vous le mettre direct, je vais vous mettre le lien de l'amarrage qui aura lieu du coup cet après-midi, n'oubliez pas, c'est, d'habitude c'est le lendemain, mais là pour le coup aujourd'hui c'est très très rapide. Hop, je vais vous mettre le lien directement en description. Directement, excusez-moi, dans le chat. Je lis ton commentaire tout de suite après le raton. Voilà, je vous ai mis le lien du direct pour cet après-midi. Je vais avoir des cours, j'ai le seum. Je serai sur l'image, pas sur le son. Allez, tout désolé. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème, le raton. C'est déjà très, très gentil. Bah, par contre, ne te fais pas griller avec ton téléphone en cours. D'accord? Parce que si tu viens dire que c'est à cause de moi, non, je déconne. Non, mais en tout cas, c'est très gentil, le raton. Alors, j'ai juste montré à Tiffany où est-ce que je me trouve. В эфире Роскосмос, в эфире Байконур, в эфире Москва. Специальная трансляция, посвященная старту уникального проекта «Вызов». Основной экипаж корабля «Союз МС-19», командир, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров и участники космического полета. Это их официальный статус. Юлия Пересильд и Клим Шипенко уже на борту космического корабля. Да, и мы показывали это в прямом эфире и были непосредственными свидетелями этого. Allez, on va prendre son temps, on va se réveiller. Второй в этом году пилотируем и запуск корабля «Союз» действительно уникальный. Для одного из самых опытных наших космонавтов, четвертый раз отправляющимися к звездам, герои России, командиры экипажа и экспедиции МКС-66 Антона Шкаплерова, который тоже примерил на себя несвойственную ему пока кинематографическую роль, полет на орбиту для участия в киносъемках, тоже своего рода вызов. Hop là. Donc voilà, nos trois tycoons. Je sais plus ce que j'ai avec les tycoons.
Таконауты, ну, назовите чинуа, по имени Антон, japonais, командир корабля, который... Donc voilà nos trois cosmonautes, je vais vous les mettre un petit peu au grand écran. Vous avez donc l'actrice, le cosmonaute professionnel au milieu et le producteur juste à droite. А сейчас мне надо и кораблем систем заниматься, и управлять, и смотреть на Землю, ну и так далее. Слава богу, они это все поняли, что давайте мне помогать. Во-первых, они должны будут управлять своим скафандром на всякий случай, если будет разгерметизация, это зависит их жизни. Справа сидит Юлия, ей надо кислородом заниматься, который подает нам прямо кислород скафандра. Не дай бог, что случится, от нее будет зависеть наша жизнь. Pour Cosmos, bah en fait au début c'est ce qu'on a appris, mais non. Par exemple, tenez, bon, je vais vous faire un petit récapitulatif de comment est-ce qu'on appelle les astronautes selon les pays. Par exemple, pour l'Europe, c'est des spationautes. Donc, Thomas Pesquet en réalité n'est pas astronaute, il est spationaute. Voilà. Européen, c'est spationaute. Américain, c'est astronaute. Les vrais astronautes, c'est les Américains. Donc, européen, spationaute, américain, astronaute. En ce qui concerne l'Asie, on est plutôt sur des taïkonautes. En ce qui concerne la Russie, on est sur des cosmonautes. Et alors, les Indiens, c'est encore un autre nom, mais je crois que je les appelle. Pas trop fatigué, putain, il y a la prof. Si, je t'avoue que je commence à être un peu claqué. Parce que c'est pareil, je vous prépare beaucoup de vidéos. Parce que, comme vous le savez, vendredi dernier, j'étais avec monsieur Philippe Clair et Michel Vizot. Donc, Michel Vizot, qui était, parce qu'il a pris sa retraite, hein, qui était cosmonaute, spationaute, pardon. J'y arrivais. Qui était spationaute pour le CNES, donc l'Agence spatiale européenne, et monsieur Philippe Clair, qui était du coup responsable juridique chez Ariane Espace. J'ai eu la chance de passer toute une journée avec eux. Vous avez déjà une petite vidéo de la conférence qu'ils ont tenue à l'UTT. Mais alors, par contre, je suis en train de vous préparer plusieurs vidéos du coup de comment s'est passée la journée. Et d'ailleurs, demain, c'est déjà en programmation, vous pouvez le voir, ça sera en première. Je vous ai traduit un peu comme j'ai pu, du coup, une vidéo que la NASA a sortie il y a 2 mois, donc sur les derniers vols de la navette Atlantis. Donc, c'est pas moi qui l'ai produit, hein, c'est la NASA. Mais alors, par contre, j'ai fait appel à quelqu'un pour traduire un peu bien comme il faut tout ce qui se passait dans cette vidéo. C'est une petite vidéo qui dure 10 minutes et j'ai trouvé vraiment le documentaire intéressant. Les images sont intéressantes, donc je voulais vous le proposer. Donc, elle sort demain à 20h en première sur la chaîne. Ну, у нас такой есть летчик. Мы нажимаем кнопку SPU, это перегонное устройство только между инструктором. Allez, on est à 2h47, je vais essayer de voir où est-ce qu'on en est. Я, например, так и сделал, потому что сзади не было, имел право. Но я сел и понял, что я могу летать один, сам. Для нас тоже это интересно. Вот и Олег Новицкий, он тоже говорит, что до этого мы были просто космонавты, там, военные, полковники. А тут мы уже к искусству, причем напрямую. В НАСА, там есть целый телевизионный канал НАСА, там все знают всех, имена их знают, кто когда летал, все остальное, как мы раньше в Советском Союзе. А сейчас вот этим проектом мы хотим показать, что у нас есть космос. Да, я летал сколько раз, всегда был командиром именно международного космического экипажа. И станция командовал. Это говорит о том, что уровень космонавтики в России очень высокий. Родственников не выбирают. В нашем случае мы тоже как бы командир не выбирали, но командир тоже не выбирал нас. Allez, la petite présentation officielle. Voilà le producteur, du coup, vous pouvez voir d'ailleurs sur la photo. Он это всячески не показывает, и у нас нет ощущения, что он нас терпит. Alors, est-ce que le sondage a bougé? Le sondage n'a pas bougé pour l'instant. Начинаем разбег, контролируем нарастание скорости. Прошла скорость поднятия переднего колеса. J'ai même le logo. Bah, attendez, je vais vous le Поступил я в начале училища, чтобы был Советский Союз, это было ближайшее училище, они как бы курировали наш аэроклуб, приезжал представители, и они проверяли наши документы, как мы в школе учимся, я неплохо учился в школе, ну, не золотой медаль, но хорошо закончил школу. А если вы предложили, если по здоровью уже вас взяли летать на спортивном самолете, наверняка вы пойдете. И я был рад, поступил в прекрасное училище, чем не учился 2 года.
Через два года распал Советский Союз, и мне просто пришли и предъявили: либо ты принимай украинскую присягу, либо до свидания, забирай документы. Ну, я один раз уже принимал присягу. Eh ben, écoute, bon cours, le raton. Я ничего против не имею Украины, украинцев. Ну, я понимал, что надо ехать в Великую Россию. Там точно буду летать. Над Красной площадью единственной в мире пилотажной группы на боевых самолетах русские «Витязи» и «Стрижи». В едином строю кубинский «Бриллиант». Пять лет отслужил в Кубинке, в пилотажной группе «Небесные гусары». На самолетах МиГ-29 я летал, Л-39. Мы пришли молодыми ребятами. Спасибо огромное Качинскому училищу летному в Волгограде. Меня приняли на тот же курс, на тот же факультет. То есть я не потерял. А вот я как раз фото до Юрия Гагарина чисто готе. Не потерял. И я закончил знаменитый Качинский училище с отличием. И вот тут, благодаря тому, что я именно в Качу закончил с отличием, мне предложили сразу поехать в академию. И я, ну, конечно, в Москве я был, может быть, там маленьким, там пару раз с родителями, никогда не был в Москве. Я согласился. Когда учишься, очень близко находиться одного самолета к другому, то есть в близком сомкнутом боевом порядке, бывают случаи, когда самолет ведомый попадает в спутный след ведущего самолета. У меня и такие случаи были. Я попадал в спутный след. При этом может произойти помпаж, либо остановка двигателя. Ну, естественно, потеря тяги, различные развития событий, вплоть до потери самолета. Но вот сколько раз не было попадания в спутный след, двигатели работали четко. Ну, единственное, что тебя выбрасывает из этого сомкнутого порядка. Далее докладываешь, опять пристраиваешь и продолжаешь свой полет. Никаких специальных самолетов не делалось, и сейчас не делается для пилотажных групп, таких как «Русский Витязь», «Стрижи», «Небесный гусар». Это были обычные самолеты строевых частей. И летчики, которые летали в ЦПАТе, они как летали по пилотажной подготовке, так и по курсу боевой подготовки. И в свободное время от показов летчики несли боевое дежурство по обороне Москвы и Центрального округа. К сожалению, мы не видели вживую Сергея Павловича Королева. Он прожил довольно короткую жизнь, не дожив до 60 лет. Конечно, для нас это легенда. Это человек, который создал пилотируемую космонавтику, знаменитый «Союз». Он при нем начал летать, летает до сих пор, еще и будет летать. Вот гулял Сергей Павлович по саду и нашел подкову. Взял и прибил подкову вот к этому дереву. Все космонавты, начиная с Германа Степановича, сидели на этой лавочке. И в космонавтике вот эти жесткие требования, которые были предъявлены еще первому отряду космонавтов, сейчас они более мягче стали. Сейчас в космос летает не только профессионально, но и туристы. Это люди, которые могут заплатить за свой полет, за билет в космос. Но если полеты в космос будут учащаться, то есть это станет на поток, так как и авиация, то, конечно, в будущем, я уверен, люди будут свободно покупать себе билеты и спокойно придут на какой-нибудь космодром и полетят в ту точку Вселенной, куда захотят. Мне было 29 лет, и был шанс попробовать себя в отряд космонавтов. Был как раз набор 2003 года, я написал заявление, ну, рапорт тогда по-военному, и приехал сюда, и, слава богу, прошелся. С первого полета я командир космического корабля «Союз». И спасибо огромное моим начальникам и инструкторам, которые мне тогда, в 2011 году, молодому, неопытному космонавту доверили международный экипаж. Я считаю, что космический корабль – это следующая ступень. Это другие скорости, другие высоты. Это продолжение, в данном случае, моей карьеры как летчика. Мы и физически, и морально подготовлены достаточно сильно. И мы работаем не каждый по одному, а как целая команда, как единый организм. Поэтому я даже не вижу той ситуации, чтобы у нас опускались руки. На курорт, что ли, собрался? Багамы. Пятый. Контроль настройки. Allez, on a un petit peu avec une vidéo rétrospective, ouais, on est bien en novembre 2011. Je vous montre un peu le cours de l'évolution de l'agence spatiale et franchement c'est pas mal. Moi, j'adore voir les archives où là qu'on voyait la fusée au milieu de la toundra, donc au milieu de l'hiver russe.
C'est quand même assez impressionnant de se dire quand même que dans ces conditions-là qui sont capables de lancer des fusées, des missions dans ce type-là, alors que aux États-Unis un petit peu de vent et oh là là, on annule et on reporte d'une semaine ou deux là, en pleine toundra, l'hiver russe. Surtout qu'à Baïkonour, on est proche du Kazakhstan, on est au Kazakhstan je veux dire. C'est pas franchement les meilleures conditions climatiques. Et là, vous voyez ce mousse qui décolle sans encombre, c'est franchement. C'est énorme. C'est énorme. Когда меня спрашивают, а что вы боитесь летать? Я ничего не боюсь. Я имею в виду полет про космос. Я боюсь вот напортачить и прилететь, чтобы люди мне в глаза не смотрели. Будет обидно. И когда ты напортачишь, тебя учили. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je sais que de temps en temps, vous allez être quelques-uns à arriver. Donc, vous inquiétez pas, décollage prévu vers 11h. Donc, vous n'êtes pas en retard. C'est toujours comme ça que ça se passe hein, pour les vols habités. On commence toujours le direct 2-3 heures avant. Tout simplement parce que, les cosmonautes s'installent dans la fusée justement 2-3 heures avant. Voilà. Donc, décollage prévu vers 11h et amarrage à l'ISS vers 15h45. Je pense qu'on sera en direct vers 15h. Je vais vous laisser profiter des images et je reviens vous voir. Я помню, что один из первых не мог батарейки найти. Они написаны, где лежат. Я прилетал туда, смотрел. Но в космосе все на, ну, как бы оно не имеет там низ, вверх там. И мне пришлось позвонить Сергею Волкову, который улетел вот только-только. Серега, где батарейки? Он говорит, тупо прямо, налево, взял, открыл, и вот тут будут батарейки. Ну, сейчас, конечно, я станцию всю знаю, это мой второй дом. Слава богу, это был штатный выход в открытый космос. Во-первых, хотелось куда-то выйти, уже 3 месяца находясь в этой замкнутом пространстве. Это был первый выход. Мы вышли, мы полностью все выполнили работу. Она была сложная. Самое тяжелое – это двигаться в скафандр. Скафандр – это маленький такой космический корабль. Все необходимые жизненно важные системы находятся внутри этого скафандра. Для того, чтобы человек остался живой в вакууме, там создается повышенное давление. Поэтому его раздувает. И любое движение, это получается, ты вначале борешься со скафандром. Если теннисный мячик, да, если взять в руки, то можно его сжать 1 раз, можно 10 раз сжать. А если там 100 раз теннисный мячик сжать, это примеры, как мы просто сжимаем кулак в перчатке. Ну и впереди у меня тоже 3-4 выхода в открытый космос. Это нормальная работа. Взлет простой, 9 минут и ты в космосе. А вот посадка, она... Ой, как это объяснить-то? Американцам объясняю, вы были на американских горках? Они их называют русские горки. Ну, это вот аттракцион. Или то же самое будет, только настоящий. Вы будете гореть, вы это увидите. Спускаемый аппарат, как он весь обгорает, это видно в эти иллюминаторы. Каждый раз, когда мы заходили на посадку, я своим членам экипажа говорю, значит, не бойтесь, чувствуйте себя детьми просто. Кричите, орите, и это все нормально. И чувствуете, что супер, мы возвращаем на землю, мы там поработали, там сколько-то дней. Не молчите, давайте кричать. И мы кричим все время. После торможения начинается вращение корабля. Командир примерно где-то с 200 метров дает команду прекратить переговоры, закрыть гермошлемы обязательно, потому что во время удара может и повредить язык, можно даже сломать себе челюсть. Поэтому все замирают и ждут момента удара о землю. Надо же двигатели, которые срабатывают на метр 75 сантиметров, называется двигатель мягкой посадки. И все думают, что мы садимся так вот, так какой, там такой удар идет, что мы все, что вокруг нас, мы закрепляем, потому что летит потом как выстрел, любая вещь.
Et dans quelques instants, du coup, on sera avec Inspiration Créatif, le temps qu'elle se prépare, et puis on vous rejoint dans quelques instants. Парашютом перекатывал. Ну, конечно, перекатывался не очень хорошо, но, по крайней мере, это была такая жесткая посадка. Готовы? Поехали! Пока нет возможности космонавтам брать своих детей в космос, как и других родственников и друзей, ну, хотелось бы, конечно, и всю семью взять, и друзей, и показать им и станцию, и показать, как выглядит наша Земля со стороны. Как поется песня, если очень захотеть, можно и в космос полететь. Ну, мне повезло. Я родился и вырос в Крыму, в маленькой Балаклаве. Это Севастополь. И лучшее место я не знаю. Меня окружали только одни моряки в Севастополе. Но я почему-то хотел летать. На своим родным городом, на своей маленькой Балаклаве, на своими пляжами, включая Ялту и все остальное. Конечно, эти чувства я никогда не забуду. Я был очень счастлив. В иллюминатор мы могли наблюдать нашу землю, наш родной Севастополь. Почти 40 лет я шел к этой мечте. И вот свершилось то, о чем я мечтал всю свою сознательную жизнь. Три полета сделано. Я каждому человеку прилетаю, смотрю в глаза, все благодарят. И я рад тому, что я сделал работу так, как меня научили. И в этом полете, надеюсь, будет то же самое. В прямом эфире Роскосмос ТВ – это специальный проект в прямом эфире, посвященный старту с Байконура кинематографического экипажа проекта «Вызов». Впервые в истории пилотируемой космонавтики. Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко уже на борту космического корабля. Ну а прямо сейчас у нас есть прямое включение с Байконура, и где работает наш специальный корреспондент Влад Миронов, который сейчас поделится своими впечатлениями. Влад, вам слово, вы в эфире. Видимо, волнуется коллега. Влад, вы нас слышите? Доброе утро коллегам из московской студии и всем зрителям нашей прямой трансляции на космодроме Байконур. Ну, у нас, как это иногда случается в процессе прямой трансляции, некоторые технические проблемы, но, по крайней мере, мы можем с удовольствием и гордостью наблюдать за нашей замечательной ракетой-носителем с космическим кораблем на стартовом комплексе. И я в очередной раз не устаю напоминать, что такого в истории отечественной и мировой космонавтики не было. Участники уникального проекта «Вызов» отправляются на орбиту, чтобы непосредственно на МКС, в условиях реального космического полета, в невесомости, снимать сцены будущего художественного фильма. Команду профессионалов российской киноиндустрии готовили профессионалы Роскосмоса. Для специалистов ракетно-космической отрасли это тоже был, Юлия, своеобразный вызов, с которым они успешно справились. И в максимально сжатые сроки подготовили не к суборбитальному на несколько минут, а к настоящему орбитальному многодневному полету в космос представителей не космических, а творческих профессий. На главную женскую роль будущего художественного фильма под рабочим названием «Вызов», часть которого впервые будет сниматься в условиях микрогравитации, было подано около 3000 заявок. Победила в конкурсе актриса театра и кино, заслуженная артистка России, лауреат престижных театральных и кинематографических премий Юлия Пересильд.
Мы обязательно покажем вам подготовленный нашими талантливыми режиссерами видеопортрет Юлии Пересильд, которая, кстати сказать, заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат премии президента Российской Федерации, очень уважаемая в театральных кругах актриса. А сейчас у нас снова восстановилась прямая связь с Владом Мироновым на Байконуре, которому я все-таки надеюсь передать слово, и мы с Юлей надеемся услышать, Влад, твои впечатления о происходящем. Мы тебе завидуем белой завистью. Ты вот на месте событий. Рассказывай, что происходит. После небольших технических неполадок я снова в эфире. Всем доброго утра коллегам из московской студии и всем зрителям нашей прямой трансляции. На космодроме Байконур 11:25 утра. У нас отличная, не по-осеннему солнечная погода, есть небольшой ветер. Я веду прямой репортаж с самого сердца космодрома, стартовой площадки номер 31, в каких-то 20 метрах от ракеты-носителя «Союз-21А» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19». Несколько минут назад экипаж в полном составе с командиром, космонавтом отряда Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и двумя участниками космического полета, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, произвели посадку в пилотируемый корабль. День сегодня предстоит волнительный, что скрывать, я тоже немного волнуюсь, ведь через каких-то 2,5 часа отсюда в космос отправится в первый в истории киноэкипаж. В своей командировке на МКС группа снимет часть фильма с рабочим названием «Вызов». И это не просто первое кино на орбите, а часть огромного совместного научно-просветительского проекта Первого канала, госкорпорации «Роскосмос» и студии «Yellow Bacon White». Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих. К примеру, подобная ускоренная подготовка участников фильма в будущем поможет и понадобится при подготовке на орбиту других специалистов. Вчера на предполетной пресс-конференции командир корабля Антон Шкаплеров подчеркнул, что испытал чувство гордости, когда узнал, что именно ему выпала возможность доставить на МКС группу научно-просветительского проекта. Космонавт отправляется в четвертую по счету экспедицию без бортинженеров впервые, только с участниками космического полета. Получается, что для Антона Шкаплерова это тоже своеобразный вызов доставить группу на МКС и, собственно, сыграть одну из ролей в фильме. Сейчас экипаж уже в корабле, напоминаю, у них перед ними стоит огромная интенсивная и напряженная работа, поэтому мы будем следить за всем, что происходит здесь на Байконуре, коллеги. Влад, спасибо огромное, Юлия. Влад предвосхитил массу сюжетных линий нашего сегодняшнего прямого эфира, но он уже на месяц на Байконуре и имеет право высказываться по полному списку вопросов. О вашей тезке расскажите несколько слов. Юлия Пересильд, заслуженная артистка Российской Федерации, известная театральная актриса, актриса кино. И давайте мы все-таки покажем зрителям нашей прямой трансляции Роскосмос ТВ, которых, я уверен, становится все больше и больше, видеопортрет замечательной тезки моей соведущей. Юлия Пересильд. Юлия Пересильд в эфире Роскосмос ТВ. Раз, два, три, четыре. Здравствуйте. Юлия Сергеевна, вы присутствуете на пленарном заседании главной медицинской комиссии. Спасибо за предупреждение. Так, вообще-то вы не так безопасны, как мне показалось. Вы по состоянию здоровья годны в качестве участника космического полета. Вообще нет никакого опыта. Вообще, это я. Это что, я готовила, нет, что ли? Нет. Это что, это я? Ну, остается пожелать нам всем удачи. На самом деле, это, безусловно, начальная какая-то победа для нас. В первую очередь, то, что мы действительно давно проходим испытания. Что-то было легче, что-то было сложнее. Но это все равно такой целый путь. И было, безусловно, нервно. И было много девчонок прекрасных, замечательных. Allez, du coup, on est toujours en direct dans l'attente du lancement, maintenant prévu dans 2h25. J'espère que vous allez tous bien. Dans quelques instants, du coup, on sera avec Inspiration Créatif
pour assister, enfin plutôt pour attendre ce lancement qu'on attend depuis un petit moment d'ailleurs, depuis quelques jours. Vous avez une présentation de Yula, du coup l'actrice russe qui va aller tourner dans la Station Spatiale Internationale. Donc c'est surtout une actrice de théâtre, hein, elle a fait beaucoup de théâtre. On essaiera de trouver sa filmographie pour voir un peu ce qu'elle fait, mais elle a l'air de faire pas mal de théâtre en tout cas. Un peu du théâtre dramatique. Allez, profitez bien de la présentation en tout cas. C'est la première fois du coup qu'une actrice, et oui, de toute façon, c'est la première mission, qu'une actrice part pour l'ISS et on lui espère en tout cas une belle mission et un bon tournage. Et en attendant, moi je vais préparer le logo d'inspiration créatif qui devrait pas tarder du coup. Hop là. Alors ne confondez pas, hein, c'est pas inspiration 4, hein, c'est inspiration créatif. Ça y ressemble beaucoup. Alors, je vais voir si la NASA. Alors non, la NASA est avec Thomas Pesquet. Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Attendez, je vais voir si je peux pas vous le mettre en attendant. Alors, je vais retirer quelques éléments parce que quand même ça devient un peu n'importe quoi sur le direct. On a un peu de tout. Donc voilà, pour patienter, on a un petit peu notre ami Thomas. Du coup. Je vais retirer mon intro. Дома они нам не ездят. Сейчас же дети очень, как бы сказать, избалованы вот этим извне информацией. Они говорят, а я так считаю. Или, например, а я думаю по-другому. Это очень хорошо, что дети понимают, что такое личность, что такое свобода, что у меня есть собственное мнение. Другой вопрос. Посмотрим, какие плоды мы будем пожинать. Это очень непонятно. Пока. J'arrive. Salut Tiff, j'arrive. Je remets un coup ma cam. Bon,
бою. Был юбилей Победы, и очень много говорили про это. И среди чего-то настоящего очень было много фальшивого. Товарищ майор, отойдите! Стреляй! Ты же снайпер, а не артиллерист. Очень было много, ну, такого, знаете, как оно всегда бывает. На какой-то хорошей идее очень много развивается такой тли. Мы как-то собрались все вместе. Ну, давайте попробуем сделать что-то альтернативное. Ça y est, Tiffany, t'es en direct. Alors, je vais arriver, je vais remettre ma caméra moi aussi. Et normalement, c'est bon, on t'entend. Alors, comment ça va, Tiffany? Eh ben, ça va bien, toi? Alors comment ça va, Tiffany? Et me voilà. Alors maintenant, je vais régler ça. Alors, ça marche mieux avec la fibre? Alors attends, parce que moi j'ai du mal à t'entendre par contre. Tiens, je fais un petit test, Tiffany, est-ce que tu m'entends? Ah, Tiffany, j'ai l'impression que ça bug un peu. Attends, je vais tester. Ouais, ça bug un peu de ton côté apparemment. Ça lag un petit peu. C'est rien, c'est le direct, c'est comme ça. Je t'entends bien. Ouais, moi aussi je t'entends, mais par contre ça lag un peu, alors je sais pas d'où ça vient, mais bon écoute, c'est pas grave, ça va sûrement se résoudre en attendant. Bon bah écoute, voilà, comme j'ai expliqué, on est là du coup pour le lancement, bah tiens, on a l'actrice russe qui est là. Donc c'est le premier lancement pour une équipe de tournage, hein, ça devait être Tom Cruise, et finalement... C'est l'actrice Yula. Alors attends, j'ai plus son nom en tête, va falloir que je vous le redise encore un petit coup. Donc lancement du vaisseau russe Soyuz MS-19 à destination de l'ISS. À bord se trouve le cosmonaute donc professionnel Anton Chapalkov, le producteur russe Klim Chimpiko et l'actrice Yula Persevsky. Donc c'est surtout une actrice qui fait du théâtre. Bon, toi, tu dois connaître un peu, hein, Tiffany, le théâtre avec le cosplay. Faut jouer un peu le théâtre. Ça va, Tiffany? Ah, j'ai l'impression que Tiffany, t'as un peu des... Ouais, t'as des bugs, t'as des lags. On te voit très bien, par contre, le son n'arrive pas. Essaye de reparler un petit coup.
Ouais, t'as des petits lags. Je sais pas du tout. Voyons voir. Je suis en train de réfléchir à un système. Alors le truc c'est que je t'aurais bien appelé sur Facebook, mais à mon avis ça vient pas de Facebook, ça vient de Discord. Ça vient plutôt de la connexion. T'as fait un test de débit réseau, Tiffany? J'en ai... Attends, je vais te dire ça tout de suite parce que des fois, il y a des jours où c'est pas top. Là, ça va un peu mieux, tu vois, quand tu me parles. Ah, c'est peut-être le Peut-être matin, le là. temps que ça se mette en route. Voilà, la fibre, elle a du mal à arriver le matin, du temps qu'elle se réveille. Mais là, je t'entends mieux, là, ça va. Là, ça va. Ah, c'est, à mon avis, c'est du temps que ça se lance. Ça arrive souvent qu'on a des bugs au lancement. Mais normalement, quand ça veut, ça marche bien. Mais là, ça veut bien. Là, ça veut bien, ça marche bien. Ça y est, c'est parti? Ouais. Alors, je sais pas si t'as vu sur le direct, j'ai mis ton patch à côté de celui du MS-19. Donc en bas à gauche. Ouais, je vois ça. Ah, il était joli, donc fallait que je le mette. C'est gentil. Donc du coup, donc là ça va être un peu long. Lancement qui sera prévu du coup à 2h13, dans 2h13, pardon. Donc là les trois cosmonautes sont directement sont rentrés dans la capsule du MS-19. Et puis bah du coup on est dans l'attente, hein, on est dans les préparatifs. Roscosmos du coup nous montre quelques images d'archives, quelques images du film aussi Sayout, qui est disponible je crois sur Amazon Prime. Et là, il nous montre un petit peu le projet vidéo du producteur et donc de l'actrice. Ça fait un petit moment qu'on t'avait pas revu sur un direct. Eh ben, oui. Je reviens, je disparais. Souvent, la fibre est un peu plus longue que prévu à arriver. Ouais, bon, c'est des choses qui arrivent, ça. Bon, par contre, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure avant que tu arrives. Je suis un peu déçu parce que sur le direct que nous propose Roscosmos, ça lag beaucoup. Alors, c'est pas ta connexion là, hein. Ça, pour le coup, c'est ça lag beaucoup. On n'a pas d'image vraiment nette. Donc, un peu déçu pour la qualité du stream. Avec des problèmes de connexion. C'est ça. On a tous des problèmes de connexion en ce moment. Alors, je vais faire je vais jeter un petit coup d'œil sur le sondage. Donc, je vous avais demandé, parce que les avis sont assez partagés, pensez-vous que ce soit une bonne idée que le cinéma utilise l'ISS comme plateau de tournage? Et pour l'instant, vous répondez majoritairement non. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Tiffany? Je trouve que c'est... Ouais. Ouais. On va voir l'effet Botox dans l'espace. On a un petit commentaire qui nous dit qu'on va avoir l'effet Botox. C'est vrai que... Bon. Bah, c'est bien... Je sais pas, c'est vrai que je suis partagé. Bon, t'inquiète pas, elle sait. C'est vrai que je suis assez partagé sur la question. D'un autre côté, c'est bien, ça démocratise un peu plus le vol touristique, entre guillemets, là, même si c'est plus un vol privé. Mais d'un autre côté, si ça commence à être la foire à tout, l'ISS, qui était normalement prévu comme étant un laboratoire de recherche scientifique, faut pas être dans l'abus. On sait qu'il y a Tom Cruise qui devrait partir, il devait partir cette année, il partira l'année prochaine.
Si ça reste des exceptions de temps en temps, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on sait à la cadence où tout s'accélère en ce moment, comme hein, Tiffany, tu étais avec moi pour le vol de Virgin Galactic et également Blue Origin. À la cadence où tout le privé s'accélère, on peut se demander s'il y aura pas, si ça va pas devenir une habitude. Un petit peu, ouais. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir sur un direct. Ça faisait un petit moment. En plus, tu ressembles un peu à l'actrice russe, hein, n'empêche. De loin. Oui, de loin. Très loin. Bon, par contre, ça y va pas du tout, la tenue de cosmonaute. C'est pas très design. Mais ouais, elle sait, t'as raison, hein, ça va devenir un peu la foire au Botox. Bon, ils ont pas pris la plus vilaine, hein, quand même. Ouais. Alors du coup, ça fait quoi d'avoir la fibre chez soi, Tiffany, maintenant? Ça marche mieux? Ah, par contre, tu vas rire, mais j'ai toujours le même problème qu'on avait avant pour le micro qui s'accélère. Alors, tu utilises quoi comme micro? Le micro à pied? Eh ben oui. Alors, il doit y avoir sûrement un problème de saturation. Alors, je sais pas la bonne technique en tout cas pour parler. Je te dirai si on la trouve. Vous travaillez dans. Ah, attends, je vais. Parce que ouais, j'ai plusieurs écrans, donc à force, si je tourne la tête. Vous travaillez dans le domaine, vous deux. Alors, c'est assez complexe. Officiellement, non. Officieusement, oui. Alors moi, pour ma part, et avec Tiffany, du coup, avec l'association Atlantis et différentes choses, on travaille en parallèle avec Blue Shift Aerospace, donc c'est le logo que vous voyez sur la bannière en haut à gauche. Donc pour la diffusion, enfin, quand ils lancent des fusées, on s'occupe de la diffusion française, pour la communauté française. Moi, je suis en relation également avec plusieurs acteurs de l'espace. D'ailleurs, vous allez voir certaines vidéos qui sortiront. Et bah écoute, on se débrouille. On se débrouille et je pense que pour. Je pense qu'on se débrouille assez bien quand même, Tiffany. Pour le niveau qu'on est, on se débrouille assez bien. Bah tu sais, s'il y a. Allez. S'il y a 2 ans, on m'avait dit. Que tu travaillerais avec une société spatiale, que tu rencontrerais des spationautes, que tu passerais des journées avec par exemple Monsieur Philippe Clair, bon vous ne connaissez pas trop actuellement parce qu'il n'y a pas encore les vidéos qui sont sorties. Et moi par exemple quand j'ai passé la journée avec Monsieur Clair, c'était quand même le directeur juridique d'Ariane Espace. Donc c'est lui qui faisait les programmations, enfin pas forcément les programmations de lancement, mais c'est lui qui était au cœur des lancements d'Ariane Espace, donc des fusées Ariane. Si on m'avait dit ça il y a 2 ans, franchement, voilà, j'y aurais pas cru. Et on va dire ça s'accélère pas mal et on va pas trop vendre la mèche, mais normalement Tiffany, comme je t'en avais parlé, il est possible. Alors c'est pareil, là, je vais pas dire n'importe quoi parce que ça va être pris déformé et balancé en tous les sens. Mais il est possible qu'en début d'année prochaine, vers le mois de, je vais pas dire de mois non plus, il y ait une possible rencontre avec Thomas Pesquet. Possible. Je vais pas trop m'avancer dessus parce que ça va tellement vite et ça peut tellement être déformé. Mais voilà. Donc on se débrouille. On se débrouille et pas si mal. Donc là c'est pareil. Donc là vous avez une. Ah, j'ai un peu coupé la tête. Il faudra que je mette nos têtes un peu plus haut. Ou quelque part d'autre. Donc là vous avez une présentation une nouvelle fois des 3 cosmonautes. Avec le fameux logo.
J'étais un peu déçu quand même que tu n'aies pas pu participer à la mission Inspiration 4. On a beaucoup pensé à toi, on était pas mal sur le direct. Je pense que tu as dû voir les images. Et est-ce que tu as regardé la série sur Netflix d'Inspiration 4? Il faut. Eh, on s'est posé la question, et oui, ils ont emmené une peluche, la tradition de SpaceX. Oui, j'ai vu. Le petit chien. За 4 дня до старта, 1 октября, ракета космического назначения была вывезена на стартовый комплекс. C'est ça, c'est exactement ça, elle sait. Alors, après moi, personnellement, j'ai aussi investi dans la société Blue Shift Aerospace. Bon, par contre, là, elle ne fait plus trop parler d'elle en ce moment. J'espère qu'on aura un lancement début d'année prochaine. Donc, on avait fait le Stardust One. Donc c'était un petit lanceur suborbital, j'espère que là ils vont passer à la gamme au-dessus, ce qui devrait arriver normalement début d'année prochaine. Mais oui, plus dans la communication. Là vous avez des Soyouz, des capsules Soyouz, vous avez également la conférence de presse, alors avec l'équipage de réserve. Alors là c'est pareil, on n'en parle pas assez. À part si vous regardez beaucoup de films comme Apollo 13 ou des choses comme ça. On parle souvent de l'équipe principale, mais dites-vous que quand il y a une équipe principale, on va dire de 3 voire 2 astronautes ou cosmonautes, il y a toujours une équipe de réserve, au cas où qu'il y en a un qui tombe malade. Donc là, l'équipe qu'on a avec Julia et les deux autres cosmonautes, ils ont une équipe de réserve. Bon, là, normalement, l'équipe de réserve ne devrait pas partir parce qu'ils sont déjà installés. Mais ouais, Julia avait quand même sa remplaçante au cas où qu'elle puisse pas partir. Tu répondrais quoi, toi, Tiffany, au sondage est-ce que c'est une bonne idée ou non que ça devienne un plateau de cinéma, l'ISS? Moi, j'ai répondu non, parce que comme tu dis, à la base, c'est quand même quelque chose de très sérieux, c'est un labo pour des expériences. Et là, on a un petit peu n'importe qui là-dedans, allez hop, faites votre film. C'est pas facile comme question, quand même. C'est bien parce que ça permet de montrer une autre facette de l'ISS. Mais bon, est-ce que quand on va à l'hôpital, quand ils tournent des films sur des opérations, ils vont vraiment dans le bloc opératoire, tu vois? Bah après, je t'avoue que c'est pour le coup de marketing. C'est pour dire on a réellement tourné dans l'ISS et pas dans un... C'est pour faire la promotion du film. Et puis voilà, bah écoutez, en attendant, on est avec des images de l'équipe technique du film. Alors je sais pas qui c'est celui en blanc, mais en tout cas, il a l'air d'être un peu foufou. On l'a vu sur la base de Baïkonour, no stress. Par contre, tu remarques un truc, Tiffany, j'ai l'impression que le virus a disparu. À la télé, ou enfin plutôt dans les retransmissions, je ne vois plus personne avec un masque. Alors nous, on est emmerdés dans la vie de tous les jours, mais après, à l'image, il n'y a plus de problème. Je vais vous retirer. Voilà, je vous avais mis la photo, je vous la remets un petit coup en grand écran, si vous voulez, à quoi ressemblent nos 3 passagers. Et puis je vais la retirer parce qu'elle me gêne un peu. Alors, réveil difficile aujourd'hui, Tiffany? Ah bah oui, le réveil n'a carrément pas. Je t'avoue que c'était compliqué aussi pour moi. Ah, ça y est, le micro qui se réemballe. Ça y est. LC qui nous dit, on va dire que heureusement qu'il n'y a pas toute l'équipe de tournage qui monte. Ah bah alors déjà, ça aurait été impossible. La seule façon que ça aurait été possible, on va dire, c'était si on avait encore les navettes spatiales. Les navettes spatiales, on pouvait emmener jusqu'à 8 astronautes. Et maximum, aujourd'hui, on peut en envoyer 4 seulement avec la Crew Dragon de SpaceX. Les Soyouz, c'est tellement compact qu'on peut envoyer que 3 personnes. Et généralement, on a fait beaucoup de missions, on n'a envoyé que 2 personnes avec plus d'équipement, parce que alors là, on envoie 3 personnes, mais on envoie également le ravitaillement. On envoie le ravitaillement pour l'ISS. Donc on va dire que les 3 cosmonautes aujourd'hui qui vont partir,
Ils enlèvent pas mal de charges utiles, donc que ce soit de l'oxygène, de la nourriture ou de l'équipement scientifique, voire des habits, hein, parce que les lancements de ravitaillement, c'est aussi, on envoie des habits aux astronautes, hein, parce qu'ils n'ont pas des habits tous les jours. Hein. Je crois de mémoire qu'ils se changent peut-être une à deux fois par semaine. Hein. Il n'y a pas la laverie automatique à côté. Donc on va dire, voilà, les trois personnes qui sont envoyées, bon, bah, c'est quand même de la charge utile en moins. Donc bon. Heureusement que ça se fait pas toutes les semaines, quoi. Écoute, on est arrivé. Alors, on est arrivé à 2 heures avant le décollage. Du coup, décollage prévu. Donc là, c'est officiel à 10h55. Bon, on a encore 2 heures à attendre. Tiffany, si tu veux faire une pause entre temps, tu le dis. Hein, y a pas de problème. Parce que ça va être assez long. Ça va être assez long. Donc du coup, ça change un peu la vie d'avoir la fibre à la maison. Ah ben, tu mets plus 3 heures à regarder un film. Ah ben, là, la qualité de Netflix est merveilleuse. Hein. Tu peux la mettre en HD. Ouais, adieu les pixels. Ouais. Первая длилась почти 10 часов. Командир миссии Антон Чапкин даже включил. Подготовка подготовкой, а традиции никто не отменял. Одна из таких посадки в финале космонавтов – возможность перевести дух и ненадолго отвлечься от круглосуточных тренировок. Ah, tiens, bah tiens, tu me disais, ils plantent bien des arbres, hein, regarde, Tiffany. Ils plantent des arbres. Tu vois. Et en parlant d'arbres, n'oubliez pas que le 16, du coup, dans 11 jours maintenant, on sera en direct du coup pour le lancement de Shenzhou 13. Donc Shenzhou 12, c'était la fameuse télécommande. Et on sera de nouveau en direct avec Monsieur Wu le 16 octobre pour le nouveau lancement. Vous avez manqué. Oui, en effet, c'est du tourisme. Alors franchement, j'étais pas au courant de cette tradition-là. Mais apparemment, d'après ce que je vois, c'est une tradition pour les cosmonautes de planter un arbre avant chaque décollage. Franchement, pour le coup, Tiffany, moi je trouve que c'est pas une si mauvaise idée. Symboliquement, c'est sympa. C'est peut-être pour ça l'intérêt des arbres pour les lancements. Ah, peut-être. Ils ont peut-être tous une tradition. Envoyons une fusée, plantons un arbre. SpaceX, c'est les peluches, les balais russes, c'est les arbres. Voilà. Chacun son délire. Hein. Enfin voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes de beau sinon, Tiffany? Pas grand-chose. Les cosplays, ça avance? Pas du tout. Alors, en fait, je pense que le souci, en fait, ça vient du micro. Est-ce que tu arriverais à parler avec ton... Ah non, t'as pas de micro sur ton casque. Essaye voir. Ouais, essaye, on sait jamais. C'est juste pour savoir si je me trompe ou pas. Ouais. Enfin, voilà. En attendant, on va regarder un peu la présentation du lanceur Soyuz et du MS-19. Toujours impressionnant. Alors, le son n'est pas le même, mais il n'y a plus de saturation. Ouais, donc je te disais, en ce moment, plus de cosplay, du coup. Ouais, non, c'est que je vais m'y remettre. Et attends, par contre, moi, je coupe mon son 2 minutes. Je réponds un petit coup au téléphone, c'est pas bien. В жизни, когда человек может быть быстрее ракеты. Так медленно для того, чтобы при транспортировке не повредить еще пустые топливные баки. Сейчас они под давлением.
Финишная прямая. Весь последний месяц мы наблюдали, как несколько сотен специалистов различных предприятий Роскосмоса готовились к этому дню. И вот, наконец, ракета-носитель «Союз-2-1А» с пилотируемым кораблем «Союз-МС-19» на стартовом столе. Экипаж заканчивает тренировки, а специалисты начали работы по графикам стартовых дней. Alors, le lancement, c'est à 10h55. Et salut, Julien, je crois que... Роскосмос ТВ. Мы ведем прямую трансляцию запуска пилотируемого корабля «Союз МС-19», посвященную старту проекта «Вызов». Я бы сказал, уникального проекта «Вызов». J'ai entendu que tu parlais... Attends. J'ai entendu un peu que tu parlais, Tiffany, tu te foutais de moi? Oui, maintenant je disais que... Старт в 11:55. Non, bah en fait, Tiffany, tu peux remettre ton micro à pied. Il y a juste un problème au niveau du son, ça vient pas de la connexion. Faudra que je regarde un peu ton ordinateur. Mais tu peux remettre le micro à pied. Salut Julien, salut les filles. C'est à quelle heure le lancement? Le lancement, alors je vais vous le marquer. Hop, lancement à... Vous avez le décompte en bas à droite de l'écran. Marco dit bonjour à ta maîtresse de ma part. Ok, ça marche. Pas de problème. Bah, laquelle aussi? Une de tes maîtresses. Ah, on a Julien qui est apparu. Et comment elle va? Parce que putain, j'ai rendez-vous avec Rémini ce soir. J'espère qu'elle va être en forme. Ouais, bon, on en reparlera un peu plus tard, là, Julien, si tu veux. Marco. Eh ben, on est bien matinaux tous les deux ce matin. Bah on n'a pas trop le choix, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, bah va dire ça aux Russes qu'ils arrêtent d'envoyer les fusées dès le matin. Là. Bah pour eux c'est pas le matin, hein, tu sais. Hein. Pour eux, si. Bah il est plus... Si, ouais, il... C'est à midi ou à 18h comme les autres, ça irait bien. Oui, bah écoute, après on n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. Puis écoute, on a juste quand même... pour une actrice porno, puis un producteur porno. Ouais. Non, Julien, non, non. Allez, donc du coup, on est à 1h53 du lancement. Tu seras avec nous, Julien, pour le lancement de Shenzhou 13? Bah, je sais pas, je dois partir dans la matinée, j'ai un coup de téléphone. Non. La seconde maîtresse. Oh, le beau fait qu'il vient de nous faire l'autre en mettant ses gants. Il est sympa l'astronaute là. Je reviens. Bon, Tiff, ça va? C'est un temps pourri chez moi. Ah bah. Ce que je disais tout à l'heure, j'espère qu'ils vont mettre le chauffage rapidement dans l'immeuble parce qu'on commence à s'y geler et nuit. Et voici Yannick qui est pas 100% russe. Juste pour y tourner un film là, espèce. C'est ce qu'on appelle le marketing. Tom Cruise Eagle, ça c'est pas lui le premier. Ah bah après, Tom Cruise il aurait dû être russe. Oh
Роскосмос ТВ в прямом эфире. Идея снять художественный фильм на орбите появилась. Ouais, donc pour le coup, amarrage très rapide, hein, parce que ça sera cet après-midi. Finalement, ils repartent de quand, l'ISS ? Alors là, ils repartent de quand ? Moi, j'ai pas encore de programmation. Je vais essayer de regarder ça, là, si j'ai quelque chose. Mais normalement. Si c'est juste pour tourner un truc, ça va être plus rapide. Des amarrages. Non, bah pour l'instant il n'y a pas de désamarrage prévu. Je pense qu'ils vont rester quand même une bonne semaine ou deux. Ah, pour le coup, ils montent jusqu'à là-haut, ils vont pas redescendre 3 jours après. Et ils vont dormir. Ah, ils vont être obligés de dormir dans le Soyuz au final. Ouais, ou ils iront dormir dans la Crew Dragon. Non, je crois que les Russes ils sont interdits à la Crew Dragon. Ah bon? Je savais pas. Il me semble que SpaceX les a interdits pour la cause d'espionnage industriel. Ah, on en est là? Allons. Ah, après, SpaceX c'est privé donc. Je crois que les Russes sont interdits de foutre les films avec Color Gun. À cause de ça, justement. Ah, ça pour le coup. Privé, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison. Ça m'étonnerait pas. À vérifier, mais il me semble que. Non, mais. C'est une bonne remarque. C'est fort possible. Sauf en cas d'urgence, je pense, mais normalement, ils sont interdits d'y rentrer. Ah, bah, c'est sûr que si ça commence à péter, ils vont pas leur dire non, non, vous restez là. Hein. Ça, ouais. Les Américains d'abord et les Russes, non, non, ils restent là. Les femmes et les enfants d'abord. Non, non, c'est les Russes et les Américains. Non, c'est les Américains et les Russes. Allez, du coup, il nous reste encore un petit peu moins de 2 heures. Donc, lancement prévu 10h55, amarrage 15h45. Bah non, c'est ce que je disais, d'habitude on met un jour, là on va mettre seulement quelques orbites et... Non, logiquement tu peux le faire en 8 heures aussi l'amarrage. Ah bah là ça sera beaucoup moins là. Enfin même en 6 heures, il me semble qu'il y a une procédure, après ça dépend de où est la position de l'ISS au moment du lancement. C'est pour ça qu'il part à Charles. Bah parce que comme il disait Julien, il y a ils sont la bonne position et peut-être aussi le fait qu'ils veulent peut-être pas perdre de temps, ils veulent faire un amarrage express sur ISS. Après ouais. Non, parce que la Roscosmos, ils ont prévu leur direct heure française à 13h40. Donc on va être sur du 14h, ça sera même peut-être plus tôt. Enfin, je vais essayer de voir si ce que, ce qu'il veut dire, c'est que tu as coupé ton live 1h30 pour aller manger, puis reprendre 1h30 après. Eh bah, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu crois? Ah bah, on t'est motivé. Eh bah, non, en fait, je me suis trompé, c'est sûrement pas 15h40 le direct. Parce que 15h12, si on retire 2h, 14. Sachant qu'après il y a 3 heures d'attente avec l'équilibrage des pressions. Ah bah ça après, c'est encore une autre histoire. Mais ouais. Donc amarrage prévu à 15h12 heure russe chez nous, ce qui nous donnerait plutôt du 14h12. Donc, ouais, c'est ça. 14h12, l'amarrage. Bah, du coup, tiens, je vais changer la programmation. Ouverture du SAS à 17h du poussière. Ouais. Par contre, moi, je vais pas le démarrer à 15h40. Je vais le démarrer plus tard. Alors, il est où mon truc? Il est là. Et vivement le prochain lancement de Shenzhou, c'est sûr qu'il va être diffusé. Oh, normalement, oui, CGTN devrait diffuser. Mais monsieur Wu et copine la présentatrice. C'est ça. Donc moi, tiens, je serai en direct du coup à 13h50.
parti chercher le poste. D'ailleurs, je ne sais même pas quand je vais partir, sinon je vais trouver un pote qui est de poste à la maison. Après, on bouffe en centre-ville. Vous voyez qui fait beau. Il y a un super soleil qui pleure de toutes ses larmes. Alors, il y a Tiffany qui vient de m'envoyer du coup la page Wikipédia du MS-19, comme quoi leur retour serait prévu le 22 mars 2022. Alors, j'ai envie de te dire, c'est fort possible, parce qu'on sait que l'émission, ça dure 6 mois. Par contre, là, ça me paraît beaucoup pour une actrice, quand même. Après, si c'est pour tourner le film dans son ensemble, c'est fort possible. Parce que envoie-moi la vidéo, envoie-moi le lien. Bah c'est Wikipédia, Soyuz, Emir. Oh, j'ai la chaîne de chercher. Плодотворно и целенаправленно использовать то время, которое было выделено все эти вещи. Цикл тренировок в два раза больше. Я понимаю, насколько сложно сейчас экипажу Скаплерова, когда за 3,5-4 месяца нужно было подготовиться, сыграться, отработать все тренировки. Все voilà, и тебе эта конференция? У нас в этом плане было попроще. Laquelle? Parce que j'en ai fait 5. Fatigant. Des conférences. Fatigant, très fatigant. Non, mais sinon, ouais, deux super personnes. Je suis en train de faire les montages vidéo, ça prend beaucoup de temps et j'ai eu plus de 100 gigas de vidéos. Donc imagine 100 gigas à traiter, c'est fou. Si tu veux, là, normalement, ça aurait pu déjà être fait, au moins 2-3 vidéos, mais alors j'ai un peu la flemme, quoi. Peut-être qu'ils tournent le film et puis qu'ils ont été prévus pour faire des expériences scientifiques au passage. C'est possible. Et envoyer deux civils, normalement, Peut-être que l'actrice veut se reconvertir en cosmonaute après. Après, faut se dire un truc, c'est que c'est prévu l'atterrissage du MS-19 en mars. C'est pas pour autant que le producteur et l'actrice vont rester jusqu'en mars. Ils peuvent revenir avec un autre. Oui, avec un autre Soyuz. Parce que faut rappeler un truc, c'est que ils peuvent revenir peut-être à bord d'une Crew Dragon. Hein. On sait pas. Il y a peut-être un truc. C'est le vaisseau lui qui doit revenir. Après, ils vont peut-être revenir autrement. Ils vont sauter d'ISS et vont revenir sur Terre en mode vol. Ah, peut-être. En combinaison. Ils vont cramer. Ça va faire des beaux effets spéciaux. Ouais, non, ça on va éviter quand même ça. Et on va surtout éviter de dire des choses comme ça parce que le dernier coup, je me suis pris un strike de la part de YouTube parce qu'on dit des choses qui sont pas très bien. Ah. Ouais, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est le plus grand risque. Ah oui, ça. C'est toi qui as mis Facebook en panne hier, Marco ? Non, puis j'ai envie de dire un truc, ça m'a absolument pas dérangé. Tout le monde était en panique, mais en moi... Panique générale, c'est Facebook. Ah, sérieusement? Tout à l'heure, j'allume la télé pour regarder la 15. Qu'est-ce que je vois? Facebook qui a perdu je sais pas combien de pourcents à la bourse suite à la panne d'hier. Ah bah, c'est les risques après. Hein. C'est les risques. С технической точки зрения мне на мире жилось комфортно. Tiens, je vais faire un petit point sur le sondage. Ça a évolué, mais par contre pas dans le bon sens. Donc pensez-vous que ce soit une bonne idée que le cinéma utilise l'ISS comme plateau de tournage? Vous répondez non à 62%. T'as voté toi, Julien? Ouais, j'ai mis non. Ah. Donc toi t'es contre. Je trouve ça absurde. Bon. ISS est fait pour la recherche et pas pour le cinéma. On est d'accord. Bah, c'est surtout parce qu'on sait qu'il y a Tom Cruise qui va le faire et on se demande si ça va s'arrêter après. Quoi. Je pensais pas, tu vois, que les gens seraient contre majoritairement. Je pensais qu'il y aurait un peu de contre, mais majoritairement oui.
Franchement, c'est n'importe quoi. C'est un gros coup de marketing et voilà, mais ça peut pas faire. Ça, malheureusement, c'est un peu les risques. Тема такая сейчас активно обсуждается, российская орбитальная станция, и, наверное, так сказать, мы увидим ее... Eh bien, écoutez, en attendant, on est avec une petite conférence qu'on ne pourra pas vous traduire, hein, parce qu'encore l'anglais, on peut y arriver, mais alors le russe... Et encore, Oknes, ils ont pas une maquette de l'ISS, grande envergure. Alors, ils ont, si dans un bassin, alors ils n'ont pas toute l'ISS, ils ont certaines parties, et c'est pas Oknes, hein, c'est la NASA. Le Oknes, alors t'as raison sur un point, ils ont le module européen dans le bassin. C'est sûr que la NASA, ou même Roscosmos, Ah, ils ont chacun leur partie, oui. Ils devraient faire une maquette géante de leur... comment ça s'appelle une maquette taille réelle de l'ISS pour les entraînements, puis à la limite pour le tournage des films, au lieu de se faire chier, envoyer trois... Pas de gros mots, Julien, pas de gros mots. ouais, désolé. Ouais. Après, il y a les méchants robots de YouTube qui vont pas être contents. Ah bah, ça fait drôle des fois quand on te coupe en plein direct, ça te fait drôle. Méchant de YouTube, moi aussi je peux être méchant. Hein. Ouais, mais eux ils s'en foutent. Hein. Encore plus méchant que eux. Еще раз вам спасибо за то, что пришли к нам. Успехов, счастья, здоровья. Tiens, je vais voir si la NASA ne nous montre pas quelque chose en attendant. La NASA nous passe un petit documentaire, c'est pas très passionnant. Pour moi, ce sera toujours mieux, ce sera traduit en anglais. Ouais, enfin après on n'est pas là pour voir le test des moteurs RS-25. Hein. La Padre qui est en direct, ce SpaceX Launch Facility. Là je vais regarder un peu qui c'est qui est en direct aujourd'hui pour le lancement. Alors, qui c'est qu'on a? Ben, on n'a pas grand monde. On n'a pas grand monde, il n'y a pas grand monde qui s'est levé ce matin pour faire le direct. Alors ça aurait été Thomas Pesquet, aurait déjà vu tout le monde en direct depuis 3 heures. Hier soir, la prestation de commandement a été rapide. Hein. J'ai regardé en 10 minutes, c'était fait. Ah, je t'avoue que je ne l'ai pas vu. Moi, j'irai sûrement la revoir aujourd'hui. C'était à quelle heure hier? 20h ou 21h? Je regarde un petit coup les vidéos de la NASA. Ah, ils n'ont même pas fait de vidéo dessus. Ah bah il y a mon copain Ifotini qui avait fait le direct de ça. On se parle de temps en temps. Puis ouais, bon, écoute, on va attendre. Tiens, je vais mettre sur la NASA, ils vont sûrement remontrer la passation. Юля, Клим, я от всего сердца Je pensais qu'Astro Alex serait en direct également ce matin. J'ai pas l'impression qu'il ait fait son direct. И я уверена, что те дни, которые вы проведете на орбите, они будут по-настоящему насыщенными. Sûrement, bah, d'un autre côté, il aura pas tort, hein, puisque нous, on va attendre encore pendant une heure et demie. Parce qu'on est motivé. Je vais mettre un petit écran de la NASA. Comme ça, si on a la passation. Enfin, vous allez attendre une heure et demie, moi j'ai pas sûr. Ouais, bah après c'est pas grave, t'inquiète pas. Из космоса. Вы сможете увидеть, что на Земле не каждому. А, это были тесты du moteur RS-25. Я хочу сказать, что я горжусь вами, Юля. Ты большая умница. Ты смелая, умная. У тебя все получится, Клим. Но вам я, конечно же, желаю найти те самые неповторимые ракурсы, которые станут изюминкой нашего фильма под названием «Вызов». Удачи вам, ребята.
Allez, la conférence est terminée. Il nous montre du coup juste le centre de contrôle de Baïkonour. On a une reproduction 3D de la fusée. J'aimerais bien qu'ils nous montrent un peu plus le grand écran parce qu'ils ont également une modélisation 3D du MS-19. Ah, puis ils te montrent les trois cosmonautes comme une affiche de film. Le pilote, c'est celui qui est au milieu. Ouais, c'est lui, ouais. Exactement. Ça va pas être triste, Thomas va être heureux. Oh bah écoute, elle est pas vilaine l'actrice, hein. Il va pas se plaindre. Des trois rigoles de plus. Олег Котов, который вместе с космонавтом Федором Юрчихиным в апреле 2007-го открыли вот для этого самого Симони. C'est quoi ce tube d'écran, en plein milieu de l'écran, toi, tu vois le présentateur coupé, il revient juste derrière. Пришел специально к нам ответить на вопросы. Вопросы Роскосмоса на вопросы прямой трансляции. Олег Валерьевич, je pensais que tu aurais fait un live version. Bah écoute, déjà j'avoue que je me suis pas trop intéressé, je savais même pas, tu vois, que c'était hier, et puis hier j'étais un peu fatigué, donc j'ai pas fait grand chose. Потому что когда мы говорим о Денисе Тите как о первом космическом туристе или участнике, puis bon, comme on l'a dit, Фотини кафель директ, on va pas tous être en train de le faire. История полетов не профессионалов началась еще раньше на станции Мир, когда Bah écoute, c'est ce que j'ai regardé, j'ai pas l'impression qu'il y a grand monde, il y a beaucoup d'étrangers, mais niveau français, il y a pas grand monde. Il y a même personne, je crois. Ah, ça serait Thomas Pesquet, il y aurait déjà tout le monde. Change le titre de ton live, tu fais Thomas Pesquet. Tiens, là, vous avez un entraînement du coup en avion 0G. Donc, c'est le principe d'un avion qui fait des paraboles, donc il monte très haut, il descend en piqué, et pendant ce moment-là, bah écoutez, voilà, ils sont en entraînement 0G. C'est pour l'avion Thomas. Будем называть это космического туриста. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi, c'est de lumière? Вот без чего точно не обойдется. Обязательно. C'est une coudra. Oui, c'est peut-être. Des amarrages de crew machin, le truc qui avait ravitaillé. Кто-то скажет, а к чему это имеет отношение? Умение вести связь борта, умение действовать в аварийной и ситуации. Если вдруг что-то обнаружил, куда бежать, кому докладывать, каким образом. Система жизнеобеспечения в плане самообслуживания, гигиены, питания. Это амараж. Поесть, попить, лечь спать, ходить в туалет. Работать со скафандром, уметь снять самостоятельно, одеть скафандр, проверить его параметры, привязаться в кресло, использовать привязную систему корабля «Союз». Умение действовать на месте нештатной посадки, хотя бы быть готовым использовать таким аварийный запас. И вообще, как организуется... Это моя атака, дальний мой на месте посадки. И serait peut-être temps qu'il rentre. Ça commence à faire un petit moment déjà. Oh, il est heureux en haut depuis. Hein. Ah, bah, à mon avis, oui, il doit pas être malheureux. S'il voulait réussir, il resterait. C'est sûr. Je pense que ça doit commencer à faire long quand même quand tu vois pas ta famille pendant 6 mois. Ah, mais c'est toujours en communication. Ouais, mais. Космонавт пристально следили, готовили, помогали и будут это делать в
полете, потому что врачей не видно, все время находится за кадром, но тем не менее в центре управления полетом существует и активно работает группа медобеспечения, состоящая из специалистов, врачей. Центр подготовки космонавтов, которые и следят, и готовы в случае чего прийти на помощь. Да, добавить, что этот наш штаб Инviter Thomas sur un direct, je pense pas que ça sera possible. Par contre, ce qui est possible, c'est que moi et Inspiration Créative, on le rencontre peut-être début d'année prochaine. Ça, c'est possible. Après, le faire venir sur un de mes directs, ça va être compliqué, à mon avis. Ah non, même pas. Non, je pense que... Non, Thomas, c'est quelqu'un de simple. Mais je pense que ça serait plus après une question d'autorisation. Parce que, au-delà de lui, s'il en a envie ou non, c'est après, il faut l'accord de la NASA, il faut l'accord de l'Agence spatiale européenne, il faut l'accord du CNES, il faut l'accord de... Tu peux pas venir t'exprimer sur un plateau ou sur un direct comme ça. C'est pas au niveau des personnes que ça coince, hein. C'est au niveau après voilà des autorisations. Par exemple là sur l'écran de la NASA, du coup vous avez l'amarrage du MS-18, donc c'est ce qu'on va vivre tout à l'heure. On était en direct, je crois, il y a peut-être une semaine. Une semaine, je crois qu'on avait fait un amarrage comme ça. Je crois que c'est celui de la semaine dernière qu'ils sont en train de nous montrer. Exactement. Продолжая нашу прямую трансляцию запуска с космодрома Байконур корабля Союз МС-19. А, on peut voir ah oui, là vous le voyez pas. Je vais juste vous déplacer un petit coup. On peut voir l'actrice russe du coup Voilà, elle a l'air un peu impatiente, je sais pas si elle est stressée mais bon. T'en penses quoi Tiffany toi? Elle est en train de se dire merde, qu'est-ce que je viens de faire? Ils sont en train de discuter. Вторые сутки она не выходит из ванны. Светлана и ее коллеги из Института медико-биологических проблем проводят первые эксперименты с женской иммерсией. Это сухое погружение, которое по многим ощущениям максимально приближено к невесомости. Ну, у меня сейчас утро вторых суток. Мы включаем еще сон Бен-Мари, все самыми сложными с точки зрения адаптации. В общем-то, так и было, но в то же время они были и не очень критичными. То есть бывали случаи, когда адаптация проходила гораздо более жестким образом. И voilà, comme on l'a dit, le 16 octobre, donc dans 11 jours, Julien, on va revoir Monsieur Wo et la télécommande pour le lancement de Shenzhou 13. Oui. Alors là c'est un lit où elles sont simplement sur de l'eau, donc en dessous c'est de l'eau, et c'est en fait une expérience qui te retire toute sensation. En fait c'est une simulation d'apesanteur. C'est ce qu'on peut aujourd'hui, c'est ce qu'on peut réaliser de mieux pour simuler l'apesanteur. C'est un lido, tout simplement. On peut contrôler comme ça l'afflux sanguin, où est-ce qu'il va, etc. On peut voir si le corps réagit bien aux longues durées sans gravité. Parce que le fait d'être sur un lido, voilà, travailler, on les entraîne à manger et à travailler. Et c'est pas si simple, parce que quand ton corps ne subit plus la gravité, tu perds tes sensations. Bah, par exemple, le sang... bon là, c'est pas une vraie gravité, hein, c'est pas une vraie zéro gravité, parce que on est quand même attiré, si tu veux, le lit, il est quand même attiré par le sol, donc on n'est pas complètement en gravité zéro. Mais voilà, il s'entraîne à travailler, s'entraîne à manger, voire même à envoyer des textos en mode 0G.
по многим характеристикам иммерсия довольно точная. Parce que sans gravité, par exemple, bon là c'est pas le cas vraiment parce qu'il y a quand même la gravité qui les pousse vers le sol, mais sans gravité, bah, le sang ne va plus partout où il devrait être. Tiffany, tu peux peut-être nous expliquer un peu, toi qui étais un peu dans la pharmacie, tu dois connaître un peu ça. Mais forcément, parce qu'il y a l'attraction de la Terre, mais quand on est en apesanteur, bah, tout est un petit peu détraqué. Ouais. L'afflux sanguin ne se fait pas de la même façon. D'où pour ça qu'on fait du sport, enfin, ils font du sport dans l'ISS quotidiennement, tous les jours. Parce qu'il y a en fait toute la partie supérieure quand on est en apesanteur travail, et toute la partie inférieure, donc les jambes, etc. Ça fonctionne plus. Vous voyez tout le temps les astronautes dans l'ISS, ils se servent pas du tout de leurs jambes. Et c'est pour ça qu'ils font énormément également de courses à pied, de musculation, pour faire travailler les muscles et pour pas avoir un effet d'atrophie des muscles. Si je me trompe pas, Tiffany. En plus, oui, et on perd très très vite. En plus. Bah, ils perdent normalement, je crois, en masse musculaire, ils perdent en masse osseuse. Et à long terme, c'est pour ça qu'on n'excède pas les missions de 6 mois. Est-ce que ça joue même au niveau de la colonne vertébrale, comme tu as expliqué une fois, ils grandissent, ouais. Et puis dès qu'ils reviennent en apesanteur, ça se tasse. Ça te dirait, toi, Julien, d'aller dans l'ISS et faire du sport tous les jours? Non. Non? Ça te rappelle pas Shenzhou 12, la petite canne, Julien? Si, mais bon... Là, ils sont serrés comme des sardines. Tu vois la différence avec la différence avec SpaceX, c'est que là, SpaceX, eux, ils sont avec les tablettes numériques. Là, ils sont encore avec le calepin et les crayons. Là, ils sont avec les tablettes, les Russes. C'est des tablettes, ça? Oui, c'est des tablettes. Ouais, je vois pas très bien. Bon, si, parce que il a noté tout à l'heure, la Russe. Ah, bah peut-être, alors, ouais. T'as peut-être raison. Ça fait au moins un an ou deux qu'ils ont les tablettes maintenant pour les lançons. Ils sont modernes. Tandis que sur la caméra de la NASA, vous avez un écran de contrôle d'amarrage directement, on le voit plus maintenant, directement d'un MS. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous montrer? On va sûrement revoir la passation de pouvoir justement sur la caméra, et à ce moment-là je le mettrai un peu plus en grand écran. Toujours sur Twitch, Julien, sinon en attendant? Pas pour le moment. Non, t'as arrêté? Ouais. Qu'est-ce que tu fais de beau du coup en ce moment? Bah, rien du tout. Oula. T'arrives à faire rien du tout? Ouais, je me tourne les pouces. Ça doit faire mal au bout d'un moment, non? Ouais, bah je fais 10 fois en avant, 10 fois en arrière, 10 fois en avant, 10 fois en arrière. Après, j'ai sur les côtés, mais c'est moins convaincant, j'ai les pouces qui craquent. Ah, ils sont emmerdants, là. Ah, tenez, justement, on a la passation. Je vais le mettre vite fait en grand écran. Voilà, donc la passation de pouvoir hier entre Thomas, qui est devenu commandant de bord de l'ISS. Voilà. Pour le coup, je vous mets un petit coup en grand écran. Ah, super, il y a les sous-titres. C'est hier, ils n'y étaient pas. Eh ben, tu sais quoi? On va le mettre vraiment en grand écran. Si j'arrive à trouver, où est-ce que c'est? C'est là, voilà. Est-ce qu'il a pas parlé un mot de français, Thomas, à la fin, pour dire merci aux Français? Voilà. J'adore Meghan avec sa choucroute derrière. T'es chouïs. Il est Sangoku. Ah, on a perdu la vidéo. Marco? Так просто исторически сложилось, что у нас женщины летали примерно с перерывом в 20 лет. Укоренилось такое убеждение. Но она касается именно гендерных предрассудков, не половых. Потому что с половыми различиями нет такой разницы, которая бы предписывала женщинам дольше восстанавливаться, чем мужчинам.
Потому что все-таки мы существа одного биологического вида, и многие механизмы адаптации происходят одинаково. То есть, если мы хотим считать себя космической расой, космическим видом, должно быть таких предубеждений, которые мешали бы женщинам наравне с мужчинами покорять космическое пространство. Вот я так понимаю, Елена, что в женском эксперименте изоляционном «Луна-2015» как раз-таки и началось то тяготение России к Луне, которое сейчас мы, собственно, все вместе испытываем и видим реальный задел, который, скорее всего, в ближайшем будущем позволит российским космонавтам оказаться на поверхности нашего ближайшего спутника. Вот скажите, пожалуйста, вы тогда были командиром экипажа из скольких женщин, девушек? Шесть человек. Шесть у нас человек. Всегда в экипаже в замкнутом пространстве. Эксперимент, мы его, правда, считаем таким пилотным, даже можно назвать инициативным, молодежным проектом. Более серьезные, значимые исследования в Сириусе уже с международным участием, как раз сейчас межгендерные экипажи, а тогда, да, впервые в истории, я бы тоже сказала, первый чисто женский экипаж, который имитировал полет нашему спутнику. А как раз-таки Светлана уже чуть позже принимала участие в эксперименте «Эскиз», в котором уже была другая гендерная пропорция, да, то есть здесь были четверо мужчин и две женщины. Да, суммарно тоже шесть человек. Суммарно все еще шесть. Но в чем смысл вот именно такой пропорции? Ну, а почему бы нет? Все-таки это должно быть шесть членов экипажа. Женщинам, конечно, комфортно с женщинами, поэтому предположить пропорцию, где будет одна женщина и пять мужчин, это чуть-чуть... Positive attitude, it rubbed off on us, and sometimes diffused the frustration that can build up when you're struggling with a difficult task. So thanks a lot for that. So like you said, we've had also a couple of challenging operational situations during Expedition 65. We went through them very safely, so you're no stranger to that. So thanks, Aki. So I have big shoes to fill. You took a lot of pressure off me by doing such a fantastic job that I don't even have to think about doing better than you because it's not humanly possible. But yeah, thanks for being an example and an inspiration. I want to say a few words about everybody else on the team because I've had the pleasure to serve under Shane as a commander of Expedition 50 and of course on the Crew Dragon. Oleg was my commander on the Soyuz last time I flew to space. Mark and Megan have had the leadership positions within the astronaut office, so I've learned a lot from all of you guys on the ground and up here every day. So I'm hugely thankful for that, honestly, and I'm looking forward now that it's my turn to try to do a good job to keep the mission safe, achieve our operational goals, and come back to our loved ones healthy and happy. So those are the goals. I want to say how proud I am as well to represent my country up here. There is no doubt in my mind that my career path and my opportunities owe a great deal to the leading and active role that France has always played in aerospace and in space exploration in particular, whether it be in its own name since 1962 with CNES, the French Space Agency, first Western European in space in 82 and lots of other flights, and of course within ESA since the very beginning. Merci à tous les décideurs, tous les ingénieurs et tous les actifs du secteur spatial. Si aujourd'hui je deviens le premier Français commandant d'un véhicule spatial, c'est en grande partie à vous que je le dois, donc j'espère qu'on peut s'en réjouir ensemble. Lastly, I want to say a few words about the ops team, the training team, medical team, and all the support functions on the ground. Because we're talking about the change of command up here on the space station, but there's a lot of leadership within the flight control team. There's a lot of brain power, obviously, on the ground, and a lot of people work really hard every day for us to come up here and do what we do. So I was thinking about it the other day, and you guys actually try to keep us safe, make us successful, and keep us happy. So it's kind of the definition of what it is to love someone, brotherly love, fatherly love, to care enough so that you want people to be safe, successful, and happy. So it seems like you guys love us, and it might fit the cultural stereotype, but it's no surprise that the words of love would come from a Frenchman from space. I think we all love you back, so thank you for everything you're doing. So that was a lot of words, but I think we have work to do.
So looking forward to be the commander of all of you awesome individuals. And I think we can bring it in and do Expedition 65 on three. One, two, three, Expedition 65! Thanks. Station Munich on two for Aki and Thomas. Aki, I think that I can speak for everybody when all communicators in saying that it's been an honor working with you these months and seeing your leadership and how you brought your team together both on the ground and in space. So thank you very, very much. It's been really an honor. And for Thomas, je ne pourrais pas être plus heureux que ce soit tout à nous représenter tout à l'ESA et en Europe dans cette aventure extraordinaire que tu t'apprêtes à saisir. Nous sommes convaincus que tu apporterais ton style et ta compétence au quotidien dans ce grand rôle que tu viens d'assumer. Manager qui parle en français. Je suis sûr. Et ici, j'ajoute quelque chose de plus personnel, que cette aventure ajoutera de merveilleux souvenirs à ton expérience en tant qu'astronaute. Et finalement, travailler avec toi me rend fier, mais être ton ami est un privilège. Bonne chance. Merci Luca pour ces mots qui nous touchent. Thanks Luca for those words. And it is a privilege being your friend and I'm going to see you on the ground very soon. We all see you. We'll be happy. Take good care. See you soon. Thanks for everything. Station, this is Houston ACR. That concludes the event. Снять в условиях невесомости в интерьерах станции фрагменты будущего художественного фильма. Задача непростая, поскольку такого на орбите еще никто не совершал. Bon, ben voilà. Ben voilà, c'était la passation de pouvoir de Thomas. Et tu vois, hier j'avais regardé sur UFO. Ouais. Mais pareil, ils avaient coupé le live parce que le passage en français était même pas passé. Eh ben, tu vois, tu viens avec moi, t'as du français. Allez, on n'est plus qu'à 1h15 avant le lancement. Je pense qu'on regardera une nouvelle fois quand ça va repasser la passation en entier, parce que j'avais pas mis le son au début. Voilà, 1h15. Bon bah finalement ça va passer vite Tiffany une fois qu'on va passer l'heure. Oui. Bah écoute, il a l'air de faire beau quand même à Baïkonour. Bon, on est en plein désert, mais... Temps, hein. J'aimerais bien être là-bas, mais peut-être que les températures elles sont peut-être pas mieux qu'en France. Hein. Bah là, le problème c'est que c'est le désert du Kazakhstan, donc très chaud la journée, très froid le soir. Allez, plus que 1h13, Yula, Placine, Skin. Ouais. Le problème c'est qu'on a un cool russe et un cool anglais. Ouais, mais au moins t'as la traduction. Ouais, work aboard the ISS, last to... Alors, là, tiens, Tiffany, j'ai la réponse à ta question de tout à l'heure. Donc, Yula, donc l'actrice, ne restera que 12 jours à bord de l'ISS. Donc, elle va bien repartir à bord d'un autre vaisseau. Elle a peut-être 40 avec Oleg, au final, il y a peut-être un astronaute qui reste sur ISS. Peut-être. De toute façon, c'est sur le bandeau d'information. Alors, je vais vous le dire quand il va réapparaître. Alors, en anglais, j'arrive à vous le traduire. Le cyrillique, encore, j'arrive à comprendre certains mots, mais alors d'autres... Ah, désolé, moi, je parle pas le cyrillique. Ah bah, le russe, c'est particulier. Ah,
putain, si le français pouvait être pareil pour tout le monde, au moins on n'aurait pas dormi, on se comprendrait tous. En tout cas, voilà, selon le bandeau d'information de Roscosmos, l'actrice restera seulement 12 jours. Donc elle devrait repartir 5-6-7 le 17 octobre. Ah, le producteur aussi, alors. Certainement, ouais. Ah, attends, je crois que j'avais vu quelque chose, justement, je vais aller voir ça. Donc, je vais voir un coup le calendrier. Non, je sais pas celui-là, c'est celui-là. Alors, le 17. Amarrage de Shenzhou 13. Ah non, c'est pas le bon. Désamarrage, voilà. Yula et le producteur repartiront à bord du Soyuz MS-18. Voilà. On a le vaisseau de retour. Donc, ils repartiront à bord. Attends, je crois même qu'ils vont le confirmer. Attends, si je regarde ça. Voilà, c'est ça. Donc le vaisseau Soyuz MS-18 doit se désamarrer de la station spatiale et se poser dans le Setep Kazakhstan avec le cosmonaute Oleg Novitsky, le producteur russe et l'actrice Yula. Donc voilà, ils vont bien repartir à bord du MS. Ça me paraissait beaucoup, 3 mois quand même. Hein. Je veux dire, Donc voilà, on a la confirmation. Bah écoute, finalement, le mois d'octobre va être assez mouvementé. Entre le lancement... Le lancement qu'on va vivre là, le lancement de Shenzhou 13 et le retour... Bah, ils font quoi les Power Rangers, là? Ouais, un peu plus, ouais. Et en... Donc voilà, retour du coup du duo d'acteurs le 17. Ah, c'est pour un cartoon qu'ils partent là-bas, c'est ça? Ça, c'est les molécules d'eau. Allez, encore 1h10. On a passé le plus gros. Oh Marco, t'as la télécommande pour envoyer le Soyuz? J'ai une télécommande, ouais, je te la montrerai tout à l'heure. T'inquiète pas, j'ai même la télécommande que je crois que j'ai dans mon intro. Oh, c'est Monsieur Wu qui envoie la fusée pour les Russes à mon avis. Faut juste que je la retrouve d'ailleurs. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est ça. Donc. Alors, on va regarder un coup. Приеду на съемочную площадку студии «Вайнфильм» в Медыни, где мы начинаем съемки фильма о народном ополчении и буду руководить первой съемкой, буду смотреть, как там у нас сделаны окопы, как поют танки по шоссе и каким образом правильнее снять массовую сцену. Du coup, Julien, c'est quand tu reprends les directs alors sur Twitch? И кино, и космос. Ты plus motivé? Это наполняет мою жизнь. Вот единственное, что в театре не удается ничего сделать космического. Но YouTube будет подумать на эту тему. Я увлечен. Вячеславович, вот наш генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Олегович Рогозин говорит, что космос – это лучшее, что с ним случалось в жизни. Вы разделяете его убеждения? Ну, это я его очень понимаю. Je vais faire un petit point du coup sur le sondage. Bah, vous répondez, ça remonte un peu le oui. Bon, le oui à 44%, mais toujours majoritairement oui. Сергей Королёв приезжали на фестиваль в Калугу, Циолковский получали свои призы, и в следующем году обязательно будут с нами. Конечно, космос, даже в само понятие космос, вот в коллекции моих марок почты СССР космос, для меня это тоже что-то необыкновенное, фантазийное. Это фантастика.
Alors Tiffany, sinon au niveau de tes projets en ce moment, qu'est-ce qui va arriver? Игорь Станиславович, ну давайте еще пожелаем что-нибудь нашему экипажу перед полетом. Пожелаем нашим коллегам, как говорится, выполнить свои поставленные задачи, чтобы они остались здоровыми и крепкими, и эти, этот перелет, скажем так, прошел для них как-то просто штатно. Отличить пилотируемый транспортный корабль «Союз» от его грузового собрата корабля «Прогресс» можно даже издалека по характерному шпилю на головном аппарате. Si tu as besoin de quelqu'un pour filmer ton aventure, tu me préviens. SAS, системы аварийного спасения. Ее предназначение одно – спасти экипаж в случае аварии. При штатной ситуации на старте или во время взлета за мгновение словно выдергивает кабину с экипажем, поднимает ее на высоту, отводит от места старта и опускает на землю. О работе специалистов, которые готовят SAS к пуску, в сюжете Владислава Миронова. Ah, les Queens en mode zombie. При поднятии орбиты, изменение курса, направления, также это пилотируемая программа, также система аварийного спасения космонавтов. Бункер Сатурна. Как меня слышно? Работа команды комплекса над пилотируемым пуском начинается за 2.5 часа до старта, когда экипаж уже находится в корабле, и заканчивается после 510 секунды. В этот момент управление переходит измерительному пункту, находящемуся не на космодроме. Современные «Союзы» оборудованы автоматической системой срабатывания системы спасения. Если вдруг что-то пойдет не так, в корабле загорится индикатор «Авария носителя», и экипаж будет спасен. Но на подстраховку автоматики здесь всегда... Allez, on va passer bientôt à l'heure avant le lancement. У нас есть небольшая приставка при работе по САСу. On a Aigle qui est dans le chat, alors qui nous suit, mais il est actuellement en cours. Alors il a le téléphone allumé, puis il est en plein dans un contrôle. Bravo! Allez, collégiens! C'est ça. Je vais appeler son prof, il va faire punir. На одну из таких тренировок нам и удалось попасть. Две комнаты с операторами, на столе пароль команда. Если Роскосмос, comme ils font mieux leur direct que la NASA, au moins ils nous montrent des images d'archives de comment ça se passe avant le lancement. Нажимает на пусковую кнопку. Все это происходит за несколько секунд. За ним наблюдают две камеры. Одна камера снимает руки сверху, вторая камера снимает лицо. Это для того, чтобы медик, который находится в соседней аппаратной, наблюдал за физическим состоянием. On devrait du coup revoir la passation d'ici à peu près une vingtaine de minutes. Не допускает каких-либо ошибок. Et du coup, ça va pas durer longtemps, dirais-tu? Tu me disais hier le direct. Là, il a duré une dizaine de minutes. Слышу вас хорошо. Прослушка в соседних каналах связи отсутствует. Замечаний нет. Даю обратный отчет. 201, 202, 203, 204, 205. Двенадцатый принял. Мы готовимся к работе в режиме системы аварийного спасения. Если вдруг происходит какая-то нештатная ситуация на борту, то к нам придет особо важная команда 1, 0 поменяется на единицу. Это подразумевает, что произошла отстыковка капсулы с космонавтами.
Сама система аварийного спасения размещается на головном обтекателе, она стыкуется к кораблю в момент общей сборки. Все как на хирургическом столе, ведь САС — это 800 килограмм пороха, практически ракета в ракете. При нештатной ситуации она за считанные секунды выдергивает кабину с экипажем, отводит и на раскрывшихся парашютах опускает на землю. В случае аварии на системе аварийного спасения, вот наша ДУСА, она способна вывести вот отделяемый головной блок на высоту примерно 1200 метров. Это высота гарантированного ввода в парашютную систему. Садится он в этом случае на запасной парашютный В центре управления кораблей, которым помощь не понадобится. Своеобразная стена радости и гордости. Специалисты признаются, но мы всегда готовы. On l'a peut-être raté. Je vais voir le mur des astronautes, mais non, on l'a pas vu. Роскосмос ТВ в прямом эфире. Сегодня, 5 октября 2021 года, весь мир внимательно наблюдают за космодромом Байконур. Совсем скоро отсюда стартует на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-19». Антон Шкаперов, Юрий Пересильд и Клим Шипенко уже на борту. Все пока в штатном режиме. Работа идет не только в казахстанских степях, но и в подмосковном Королеве. В центре управления полетами там сейчас на трудовой вахте наш специальный корреспондент Николай Вдовин. Коля, приветствуем тебя. Ты в эфире, знаю, что ты подготовил интересное интервью с очень нужным сейчас нам в прямом эфире экспертом. Рассказывай. А, ton micro qui s'emballe, Tiffany. Волнуется Николай Вдовин, но вот как-то справился. А это сюрка Том Круз, да, и попает. А, это сра бьянто сон ту. По транспортному пилотируемому кораблю центра подготовки космонавтов Андрей Кондратьев. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как у вас прошло первое знакомство с участниками космического полета, ну вот с Юлей и Климом? Allez, lancement du coup dans une heure maintenant. Ouais, il est 9h54, donc ouais, confirmation que c'est bien 10h55. On espère qu'il n'y aura pas de retard, mais bon, vu les conditions climatiques déjà, je pense qu'on est bon. Hein. Bah, il y a rarement des retards avec Roscosmos. Il y en a beaucoup avec SpaceX, mais il y en a rarement avec, avec les amis russes. Клима Шипенко и какие на Юлю Пересильд, потому что, ну, с Антоном мы знаем, что это для него не первый полет, вот, но что от них сейчас будет зависеть, очень важное для безопасности. Allez, ça y est, on est à H-1 heure, le décompte est enclenché. Отработка взаимодействия в составе экипажа. От этого зависит очень много. Экипаж должен работать. Et du coup, Tiffany, ton projet, ça devrait se passer quand à peu près? Может быть, даже и без слов. Особенно это проявляется в таких нештатных ситуациях, физических, как разгерметизация, пожар на транспортном корабле. И экипаж должен действовать очень быстро, очень точно, очень четко, потому что счет идет. J'espère que tu nous feras quelques vidéos sur YouTube. Oui, je pense. Скажите, вот в подготовку что-то внесли такое? С таким творческим киноэкипажем, может быть, на будущее подход тоже к людям, объяснять вот такие сложные задачи, все же зашифровано, вот эти трехзначные буквы, которых очень много в космонавтике. Действительно, для нас это было такое новое, очень новая подготовка, мы к ней очень серьезно готовились, мы готовили программу подготовки, мы ее перерабатывали, стандартную программу подготовки, очень много мы обсуждали, как лучше, что лучше, какие лучше занятия привнести, чего, может быть, добавить, на каких аспектах остановиться более подробно. А, sinon, à part ça, Julien, qu'est-ce que tu nous racontes debout? Rien du tout. Rien du tout. Это так достаточно серьезно осложняло нашу подготовку, поэтому... Но мы постарались все учесть, и у нас все получилось. Но я думаю, что им помогло очень... Их творческая профессия, они очень хорошо запоминают, у них хорошая память. Они быстро запоминали аббревиатуры, быстро запоминали всю информацию, которую мы носили. Скажите, что сейчас... А, я ton micro qui s'emballe, Tiffany. И что
будут делать после выведения сразу же? Сейчас экипаж проводит проверку всех систем транспортного корабля совместно с наземным расчетом. Essaye de refaire ce que tu voulais dire plus simplement. Ouais. Выйдет на орбиту, какие задачи? Il est midi 57. Ouais, ça, on a 3 heures de décalage, 2 heures de décalage. Et eux, ils sont actuellement 8 degrés. Re le raton, comment ça va? Bah écoute, ça va, on est toujours dans l'attente. Ну, будем надеяться, что все получится. Спасибо вам большое, что нашли время. Спасибо. On va bientôt, dans à peu près quelques minutes, ça va bien, ça va bien chiant, mais ça va. Dans quelques minutes, on devrait revoir la passation de pouvoir de la clé de l'ISS à Thomas. Ça va nous faire passion encore un petit peu. До исторического старта уже менее часа. Корабль «Союз МС-19» полетит к Международной космической станции по так называемой короткой двухвитковой схеме сближения. Как именно это будет происходить, рассказал летчик-космонавт, герой России Юрий Гедзенко. Смотрим. У нас всегда была двухсуточная схема Il сближения. Вот я три раза летал в космос. По двухсуточной 32-витковой схеме сближения, где вот после старта, отделения корабля от ракетоносителя третьей ступени, был выполнялся орбитальный полет, где там на каком-то этапе поднималась повыше после орбиты, импульсы для того, чтобы создать орбиту фазирования, и корабль так вот в течение двух суток потихонечку подлетал к станции. Вот. Сейчас, в общем, и, во-первых, технологии, и датчиковая аппаратура, и система управления ракетоносителями, система управления корабля позволяет сделать вот эту схему сближения более короткой, то есть или четырехвитковой, или даже двухвитковой. Это, конечно, очень большая ответственность и большая такая серьезная. Ты montrais, toi, à la place de l'actrice, Tiffany? Вот, и потому что в центре управления полетом, главное управление, группа управления, управления очень внимательно за этим всем следит. Но опять же повторяю, ракетоноситель и корабль позволяют вот выполнить, реализовать эту двухвитковую схему. То есть ребята стартуют 5 октября в 12 Москвы там с небольшим. И если все по плану, где-то часиком к 4, к 16:00 они уже будут на станции. Sur mon contrôle, j'ai mis la date en russe. То, что мы делаем обычно за двое суток. Alors, je sais pas si tu auras une bonne note pour ça, par contre. Они будут выполнены буквально вот за 3,5 часа. Et le raton qui se met à écrire en russe sur ses contrôles. Avec mon pote Google Trad. Ouais. C'était un contrôle de quoi, le raton? C'est un contrôle de français, t'es mal barré. On espère. Et как отметил генеральный директор, l'espace, для Роскосмоса важны не только демонстрации героизма и высокого профессионализма космонавтов и сотрудников отрасли, но и d'entretien du linge. Ah oui, il est en CAP ATMFC. Oui, c'est, je me rappelle. Tu connais toi, Tiffany? Ça, c'est pas souvent les mecs hein, qui font ça. Bon, il a trouvé le bon plan. Hein. Généralement, c'est rempli de filles. Hein. T'es rarement le. Moi, ça m'est arrivé dans un cas de figure. Je crois que j'étais en CAP vente. En deuxième année, j'étais le seul garçon de ma classe. Bah, tu. C'est chiant au bout d'un moment. Il y a un moment, au début c'est sympa, après c'est chiant. Je suis le seul gars.
Ouais, c'est relou. Ouais, c'est sympa au début, les deux premières semaines. Après, c'est chiant. Allez, 52 minutes. Tiens, je vais mettre un peu en grand écran. Ça a l'air plus intéressant ce qui se passe à la NASA. Ah bah tiens, il parle du programme Artemis. Il y a masse embrouille déjà, c'est le bordel. Ah bah de toute façon, quand tu mets une classe de filles. C'est ça. Quand tu mets que des gonzesses. Ah, ils nous montrent des archives de la navette spatiale. J'aime bien parce que tu sais pas dans quel sens regarder quand ils sont en sortie extravéhiculaire. Ah, d'accord, j'ai compris. Ils sont en train de nous montrer, justement, ils nous parlent du programme Artemis, de comment est-ce qu'on en est arrivé au projet Artemis. Là, ils retravaillent à marcher sur la Lune, tu vois, par exemple, et ils te font une comparaison de ce que ça a été avant quand on a marché sur la Lune et ce que probablement ça va être. Voilà. Et justement, là, ça pourrait t'intéresser, Tiffany, parce que maintenant, il y a beaucoup d'éléments de fusées qui sont construits via l'impression 3D. Ouais, ne parlons pas des fameuses combinaisons de SpaceX, désolé, elles sont moches. Allez, il nous reste 50 minutes à attendre du coup. Tiens, il y a même les entraînements en bassin. Après, ils s'entraînent pendant des années, donc je pense qu'ils savent à quoi s'attendre. J'aime bien le logo du programme Artemis, il est cool. Ah, t'as le micro qui s'emballe, Tiffany. Nous avons perdu Tiffany. Veuillez rappeler. En vrai, j'aime bien leur combinaison. Bah après, chacun son délire. Hein, mais ouais. Moi, je suis plus rétro. Hein, je préfère les combinaisons du programme Apollo. Les bons gros trucs, les bons gros scaphandres. Des combinaisons qui pesaient 3 tonnes. Ouais. Mais c'était classe. Et là, on nous présente le SLS, la fusée qui va nous ramener sur la Lune. Alors voilà à quoi devraient ressembler les futures missions lunaires. Ça va encore coûter du pognon aux contribuables américains, ça. Mais faire comme Apollo. Qu'est-ce qui se passe en octobre 2021 chez la NASA? Écoutez, on va le voir en image. Le redécollage de Thomas Pesquet. Il va aller sauver Tom Cruise. Ouais, avant c'était grave stylé. Puis on aura des bonnes images. Oui, c'est sûr que maintenant, si on retourne sur la Lune, on risque d'avoir des bonnes images pour le coup. Et on sera plus en noir et blanc. Bon, tu me diras, dans l'espace, bon, avoir de la couleur, je sais pas si c'est vraiment utile. Mais bon. Mercure qui sera visible. Mercure, à savoir que c'est la planète la plus proche du Soleil dans notre système. Il y a peut-être un certain moment où justement on la verra bien. Enfin, on la verra pas réellement, on verra plutôt son éclipse. Mais c'est possible. Le triangle de Vega. Lui, je vois bien l'été.
А одна из наших задач просвещения, я имею в виду общество знаний, да и страны в целом, является поддержка ученых, поддержка технологий, их развития в плане престижа, статуса ученого, желания туда идти, развиваться. И чтобы это происходило, об этом нужно рассказывать, этим должны гордиться. И это вторая причина, почему мы считаем очень важным рассказывать про технологии и достижения в космосе. Ну и третье. Я видел, как ребята, особенно молодые ребята, реагируют на тему космоса. У нас часто выступают космонавты, мы часто рассказываем про достижения в космонавтике в целом, про какие-то будущие, да, проекты, которые будут в космосе. И я вижу, насколько это интересно, ребята. Mais c'est pas mal leur petite présentation à la NASA. On découvre même des étoiles, tu vois. Il y en a que je connaissais même pas là-dedans. Поэтому тема космоса одна из ключевых. Даже по нашим опросам мы видим, что ребята хотели бы знать больше про космос. Максим, вы системно очень все рассказываете. Спасибо вам огромное. Уверен, аудитория, которая заинтересована в работе, on aura 6... Ah bah oui, et alors le plus intéressant, il nous le coupe en 10 secondes. Sympa la NASA. Ils en ont rien à foutre, la NASA. Hein. Vas-y, je te coupe tout et démerdez-vous. T'as qu'à regarder dans le ciel, tu verras si tu vois la Lune. C'est ça. Vision. Читайте, узнавайте все самое интересное в русском космосе. Максим Древаль, Tiens, il nous faut une présentation des CubeSats. Les CubeSats, c'est des petits satellites, bah, comme il vous le montre, hein, de 10 cm de côté. 1,3 kg par CubeSat. Alors, c'est des nouveaux petits satellites de relais, hein, qui permettent d'en envoyer beaucoup à chaque lancement. Отвечает за состояние окружающей среды космодрома Байконур Влад Миронов. Совсем скоро в этой трансляции мы будем наблюдать за тем, как в космос отправляется очередная ракета. Сначала поэтапно отделятся все ступени, упадут в заранее высчитанные районы падения. Et en attendant, on a une présentation une nouvelle fois de l'installation du Soyouz. Ça marche bien le tube? Bah écoute, pour le moment on n'a pas l'air de trop s'en plaindre. Александр, собственно, мы с вами находимся в степи. Что мы сейчас будем с вами делать? Значит, после проведения пуска мы отбираем пробы почвы для определения концентрации загрязняющих веществ, если таковые попали. À mon avis, je pense pas qu'on reverra la passation, parce que la NASA s'est dit tiens, on va passer en direct le MS-19. Donc là, à mon avis, sur le petit écran, on va avoir les mêmes images. Diffuse un lancement russe. Bah après, ils travaillent ensemble. On a le raton qui nous dit gros même. Là, je suis devant la salle. Il y a des meufs de ma classe et d'autres que je connais pas. Ça parle d'embrouille. J'espère comment elles font, mon bizarre. Mais c'est même pas des meufs de ma classe. Oui, d'accord. Il va pêcher le raton. Образцы собирать обязательно. Дальше воздух. Его отбирают специальным насосом. Bon, bah, alors, la NASA qui nous annonce qu'ils sont en direct pour le MS-19, mais on attend, écoutez, qu'ils démarrent leur vidéo. Несимметричного диметилгидрозина, ну, больше известного в простонародье как гептила. А потом все эти материалы везут в лабораторию на анализ. Мы решили поехать следом, но по пути... À côté du camion de C'est pas sorcier. C'est pas sorcier russe. Ah, on a Lewis, notre ami belge, qui est là. Hello le raton, oui, navigation et toi? Mais comment ça se dit, c'est pas sorcier en russe Ah, j'en sais rien du tout. Marco? Oh là là. Je sais pas. Dobby? Là, on a Jamie. Je sais pas, je dirais Dobby.
fait bien, Dobby, ça fait russe. On a Jamie, on a Fred. Manque plus que quelqu'un pour faire Sabine et puis c'est bon. Вот эти все воды сточные проходят через ультрафиолетовое очищение, где убиваются все бактерии. Уже очищенную воду сбрасывают на испарительные бассейны, и круг замыкается. Этот комплекс один из семи существующих на космодроме. Поэтому специалисты экологического мониторинга в том числе контролируют качество их работы. Она трое собинцев. Пробы и вперед в лабораторию, где нас уже заждались. Сейчас мы с вами будем проводить пробу подготовку для определения общего азота в почве. У нас есть образец, который вам привезли из районов падения. Стандартный образец поступил в петлю хроматографа. Угу. Это дальше у нас с вами поступит хроматографическую колонку, которая располагается во внутренней части данного прибора. В общем, погружать во все тонкости лабораторных исследований я вас не буду, но все тесты я провел лично, под чутким контролем лаборатории. Да а уже через несколько дней пришли их результаты. Все показатели в пределах нормы. И оказалось, что это частая практика. Сокуп, а, кумпы. Вот сколько я здесь, на космодроме, работаю экологом, ни разу... ...нашей лаборатории не было выявлено превышение ни по одному из ракетного топлива. Большие проблемы от арктического... Итинерис, Тон. А после нашего короткого разговора Александру пришлось срочно уезжать. Отдыхать некогда. Пора готовиться к сбору проб следующего отпуска. Non, c'est pire. Роскосмос ТВ в прямом эфире. А мы же деконь по Тишин. Нужно много говорим об уникальном научно-просветительском проекте «Вызов». Но нельзя не сказать и о том, что современный космос – это ведь территория не только... Марко, confirme-le, tu l'entends ou pas? Тише. Но еще и сфера, в которой уместны и даже необходимы добро, гуманизм, милосердие, в конце концов. И в нашей студии сегодня не случайно вот этот вот арт-объект, это скафандр Победа, он украшен рисунками детей, которые борются с онкологическими заболеваниями. А работают над этими проектами гости нашего эфира, гости нашей сегодняшней студии, Алена Кузьменко, Евгения Фадеева, президент и исполнительный директор замечательного фонда Unity. Добрый день, Николай. Добрый день, друзья. Скажите, пожалуйста, вот команда Unity, она преимущественно женская. В этом легко убедиться, заглянув на ваш официальный сайт. Это как-то из принципиальных соображений формировалось или случайно получилось? Фонд Unity благотворительно родился из моей личной истории. Это была история моей мамы. И на одном из таких скафандров, который сегодня в студии, моя мама нарисовала дерево жизни, которая отправилась в космос. Основатель – девушка. И действительно в благотворительности и вообще в благотворительных проектах очень много внимания они привлекают именно женщин и заняты в них женщины, но мы не согласны в том, что мы женский, только женский фонд, потому что в наших проектах очень много участвуют космонавты, космонавты, астронавты и работники космической отрасли, среди которых много мужчин. Мужское плечо. Вы называете себя планетой Unity. Ну, резонный вопрос, кто населяет эту планету, из каких стран, континентов она состоит, и есть ли у этой планеты спутники? Искусственные или искусственные, но во всяком случае, наверное... Наша планета, она уникальная, потому что населяют ее самые добрые, прекрасные люди. Мы все называем друг друга юнитиане, но если говорить о таких количественных характеристиках... Ре, Тиффани! Ah, Marco, il a pas disparu. Marco, il a fait une petite pause de 5 minutes. Hop, attends, je vais te remettre bien. Alors, Julien nous a quittés. И наши спутники, это наши партнеры. Конечно, государственная корпорация Роскосмос. Tu m'entends toujours, Тиффани? Oui, m'entends-tu? Qu'est-ce qui se passe? Oh, si, non, mais c'est des fois, c'est des petits bugs. Je vais remettre ça bien.
Et du coup, attends, je vais remettre la caméra. Mais on arrive bientôt. С командой вместе oui. с космонавтами мы побывали 38 минут. В Чили, даже Африку, мы были в Замбии. И также мы объехали всю Россию и были вместе с космонавтами. Ouais, donc du coup ton projet il arrive à son terme la semaine prochaine. И в общем oui. В финале этого проекта с МКС международный обратился ко всем участникам проекта и вдохновил на выздоровление. И мы видим, что эта история объединяет космос. А, ça va le faire. Детей, это такая история, которая объединяет ça va le faire. Людей со всей планеты, даже в космосе. C'est du bon. C'est ça. Ah bah tiens, on parlait de combinaisons moches, elles sont pas terribles, celles qu'on vient de voir. Арт-проект «Ракета» появился потому, что все больше детей с онкозаболеванием хотят отправить свои мечты о выздоровлении в космос. И мы поняли, allez, ça y est, la NASA a démarré du coup son direct. On va avoir un nouveau flux vidéo. Разместить следующую партию на ракете. Tiens, c'est quoi, je vais mettre ça là. Ça, je vais le mettre là. Детей, которые отправят свои мечты в космос на ракете. Il va nous rester 36 minutes, on va patienter. Мы начали наш арт-проект «Ракета» в Сербии, мы посетили... Attends, je coupe un petit coup ma caméra 2 minutes. Борются с онкологией. А в России вот совсем недавно... Non, puis moi, tu vois, je suis content parce que j'ai bien refait tout mon ordi et je peux afficher tout ce que je veux maintenant sans que ça rame. Вот, и очень благодарен руководству больницы и главного врача Юрия Козлова за поддержку оказанного проекта. А также мы там поработали со взрослыми пациентами, которые проходят лечение в онкологическом диспансере. И Иркутск стал первым городом в России, где стартовал арт-проект «Ракета». Мы с удовольствием принимаем... А, elle est pas très belle, la combinaison. Очень благодарны всем тем, кто вместе с нами летит в полет добра на нашу планету Юнити. Вы знаете, на самом деле помочь очень просто. Bon, je repars en cours à toutes les jeunes. Enfin, les jeunes, tu parles. Si t'es au collège, à mon avis, waouh. Je crois que moi, le collège, ça doit dater d'il y a 15 ans. Et encore, je suis gentil. Oh non, même pas, il y a 15 ans, j'étais au lycée. J'étais en train de dire déjà il y a 10 ans, j'avais 18 ans. Il y a 10... Ah oui, c'est vrai, t'es plus jeune, toi. Bon, il y a 10 ans, j'avais 20 ans, donc... À le lycée, je crois que je suis rentré au lycée, j'avais 14 ans. C'était pas hier, quoi. Ouais. Ça fait mal, là, du coup. Là. Ça ne rajeunit pas, là. Ah, pour le coup, non. C'est violent. C'est ça. Bah, attends. Le temps que j'ai coupé ma caméra, je vais te mettre en plus gros écran. Parce qu'en fait, là, c'est pas que je suis pas là, c'est que je fais des choses qui doivent pas être montrées à la télé. On veut pas savoir. Non, c'est pas ça du tout. Non. Ah, il y a des choses que t'as pas le droit de montrer à la télé, tout simplement. Hop. Pierrick, le lancement a déjà eu lieu. Non, le lancement, vous avez le décompte en bas à droite, il est dans 34 minutes et donc à 10h55. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous avez rien raté du tout. Pas de problème. Возглавляет эту съемочную группу наша очаровательная коллега Анна Шенцева. Она сейчас с нами на прямой связи. Alors, ça fait du bien d'être de retour sur un direct, Tiffany. Ah oui, ça change les idées. C'est fatigant quand même. Enfin, surtout là, ce matin, c'est pas facile. Ce lancement va permettre de faire quoi? Alors, bonne question. Alors, ce lancement, en fait, il y a déjà, donc c'est le MS-19, c'est un cargo de ravitaillement pour l'ISS, donc il y a de l'oxygène, des équipements scientifiques, enfin bref, tout ce qu'il faut. Et il envoie également trois cosmonautes, dont un cosmonaute professionnel, une actrice et son producteur. Et l'actrice et le producteur vont rester, comme c'est marqué dans le bandeau là, qui s'affiche, 12 jours, du coup, à bord de l'ISS, pour tourner un film.
Voilà. Donc lancement professionnel et privé en même temps. On sait quel film. Je t'avoue que non, mais tu sais quoi, c'est une bonne question. Tiens, je vais voir si je peux trouver. Alors j'espère que je vais pas le trouver en russe. C'est ce que je souhaite. Parce que alors là, sinon. Alors, film. MS-19. Alors bah tiens, c'est quoi, je vais voir la page Wikipédia, à mon avis il y a que là que j'aurais peut-être quelque chose. Russie. Alors si je pouvais l'avoir en français, ça serait bien, parce que le russe. Alors, tiens, je vais vous lire la description de Wikipédia en même temps. Donc Soyuz MS-19. Attends, je vérifie que tout le son est bon, quand même, avant que je m'embarque dans un monologue que personne ne va entendre. Voilà. Soyuz MS-19 est un vol spatial dont le lancement est prévu le 5 octobre 2021. Le MS-19 sera le 147e vol d'un vaisseau spatial Soyuz avec équipage. L'équipe sera composée d'un commandant russe, du réalisateur russe Klim Shipenko, de l'actrice russe Yula Pechesky. Alors, Shipenko et Pechesky, donc l'actrice et le producteur, passent environ une semaine, on sait maintenant que c'est 12 jours, sur l'ISS avant de retourner sur Terre à bord du Soyuz MS-18 avec l'intention de tourner un film dans l'espace. J'ai le nom du film. Je vais vous faire un copier-coller du nom. C'est en cyrillique, hein, je ne l'ai pas en anglais. Alors attendez. Vous allez rire, à mon avis. Voilà le nom du film. Bon courage. Alors, le vol lancera 3 membres d'équipage de l'expédition 66, sans astronaute américain. Ce lancement marquera la première fois en plus de 21 ans qu'un équipage Soyuz ne comprendrait que des cosmonautes et des voyageurs russes. Oui, parce que on le répète assez souvent depuis l'arrêt des navettes spatiales, en fait c'était les vaisseaux Soyuz qui faisaient la navette du coup entre la Terre et l'ISS, puisqu'il n'y avait plus les navettes spatiales pour côté américain. Sans astronaute américain, voilà, il n'y a plus grand chose d'intéressant après. Donc voilà, je vous ai mis le nom du film en cyrillique. Je sais que ça va pas en aider beaucoup. On a Pierrick qui nous dit « J'espère que le producteur et l'actrice ont suivi un entraînement spécifique, sinon ça va être compliqué. » Ouais, je pense quand même. Déjà qu'on voit que pour Inspiration 4, ils se sont beaucoup entraînés. Alors, je viens de traduire le nom du film. Ça s'appelle Appel. Voilà, comme un appel téléphone, appel. Alors, ça va peut-être changer d'ici là, j'espère, parce que c'est pas très vendeur. Après, peut-être qu'en russe, c'est peut-être plus... Oui. Plus parlant, peut-être. Oui, c'est sûr. Parce que nous, des fois, il y a des titres en français. En français, oui. En français, c'est complètement... Exactement, ouais. Allez, on va repasser du coup sur le stream principal. Voilà. Et nous sommes à 28 minutes. Alors, c'est pas moi qui est en train de vendre des peluches, hein, c'est simplement le stream de la NASA, je précise quand même. Bon bah t'auras pas assisté à Inspiration 4, mais tu vas assister au premier vol d'une actrice.
Alors, Discord, c'est là. Voilà, voilà. Ah, t'es plus toute seule, Tiffany, je suis là. Ah. Hop là. La magie du numérique. Et hop là. Bon bah écoute Ah, ça fait un moment qu'on dit qu'il reste plus grand chose à attendre, mais ça fait quand même toujours un petit peu. Ah, ça va s'accélérer. Ne vous inquiétez pas, au moment du lancement, on va retirer tout ce qu'il y a de chaque côté. Tu bois pas ton café, Tiffany, le matin, toi? Сегодня мы провожаем по маршруту Земля МКС корабль «Союз» МС-19. На борту космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Кирилл Шипенко. На Международной космической станции им предстоит съемка фрагментов будущего художественного фильма. Tiens, je vais faire un petit point sur le sondage. Ouh là là, j'ai pas vu, il y a eu des votes en attendant. Vous êtes 17 à avoir voté, la dernière fois que j'ai regardé, vous étiez 9. Donc, pensez-vous que ce soit une bonne idée que le cinéma utilise l'ISS comme plateau de tournage? Vous répondez non à 53%. Bah, je suis assez surpris, toi, en posant cette question, comme j'avais dit tout à l'heure, je pensais qu'il y aurait des noms, mais je pensais pas que ça serait autant. On reste quand même presque sur du 50-50, mais il y a quand même une grosse majorité de noms. Alors, on a Lewis dans les commentaires qui nous dit « Pour moi, la traduction est visa ». Ouais. C'est pas plus vendeur que ça non plus, mais oui, c'est peut-être ça. Excellente journée à tous et à tous. Eh ben, écoute, bonne navigation, Lewis. Bon courage. Visa ou appel. Après, attention, parce que moi j'ai fait la traduction en cyrillique russe. Il faut savoir que le cyrillique, c'est pas que russe. Hein. Il y a le cyrillique ukrainien, géorgien. Voilà. Donc ça se trouve, c'était peut-être pas du russe. Hein. Parce que le russe il s'écrit de plusieurs façons différentes. Через год на российском корабле Союз ТМ-34 вместе с профессиональными космонавтами Юрием Гидзенко и итальянцем Роберто Виттори. Allez, 24 minutes avant le décollage. 28-летний бизнесмен. Petite question comme ça, tu seras avec moi tout à l'heure pour l'amarrage, Tiffany, ou pas? После южноафриканцев в октябре 2005 года на корабле Союз ТМ-7. Вместе с космонавтом Валерием Токаревым и астронавтом Уильямом МакАртуром на МКС отправился 60-летний инженер и предприниматель из США Грегори Олсен, который пробыл в космосе почти 10 суток. Наконец, в сентябре 2006 года МКС посетила и первая женщина-турист. Американка иранского происхождения Ануше Ансари. В экипаже корабля «Союз ТМ-9» компанию «Красавица Ансари», которую в звездном городке ласково называли «Анушкой», составили российский космонавт Михаил Тюрин и астронавт НАСА Майкл Лопес Алегрия. Уникальный случай в истории космического туризма связан с Чарльзом Симони, американским миллионером венгерского происхождения. Еще в Венгрии подростком он стал победителем конкурса юных любителей космоса. Наградой была встреча с советским космонавтом Павлом Поповичем. Детская мечта о космосе осуществилась в апреле 2007 года. Федором Юрчихиным и Олегом Котовым на корабле «Союз ТМА-10» Симони отправился на орбиту Земли. Второй раз к МКС он стартовал в марте 2009 года на корабле «Союз ТМА-14» вместе с российским... En tout cas, elle a l'air d'être bien souriante. Hein. Bah, là, elle était souriante, l'actrice, sur l'image qu'on a en bas, mais quand on la voit en haut, elle a l'air plus d'être stressée qu'autre chose.
угрозы. В промежуток между полетами Чарльза Симони в космосе сумел побывать и шестой космический турист. Американский миллионер, разработчик компьютерных игр Ричард Гэрриот. На МКС он стартовал в октябре 2008 года на корабле «Союз ТМА-13» вместе с российским космонавтом Юрием Ланчаковым и астронавтом НАСА Майклом Финком. Примечательно, что Ричард стал вторым представителем семьи Гэрриот в космосе. Его отец, ученый-астронавт НАСА Оуэн Гэрриот, дважды побывал на орбите в 1973 году. Льюис Ки нам говорит: «Merci à vous deux. Bien, bonjour de l'équipage et des personnes d'une société de 200 personnes. Et ben, écoute, tu leur retournes le bonjour. On dit bonjour aux 200 coéquipiers de Lewis sur le bateau. Aux 200 passagers, on est. Si vous êtes 200 pour faire naviguer une péniche, ou faire une péniche, j'imagine pas la masse salariale. Отправился основатель и руководитель канадской компании Cirque du Soleil, Guir Laliberté. Allez, on va arriver à 20 minutes du décollage. Je me dis des fois que je suis dingue, c'est vraiment les directs dès le début. В истории непрофессиональной космонавтики Гила Либерте остался самым... Ouais, enfin moi, si je retourne sur Terre après 6 mois dans l'espace, je pense que ma première photo, je la voudrais pas qu'un nez rouge. C'est clair. Non, moi non plus. Chacun son délire. Землю с орбитальной высоты космическим туристам предоставила ведущий поставщик услуг в этой необычной сфере деятельности компании Space Adventures. Ouais, mais non, ça, c'est... Non. Oui, mais non. 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 Том, какова актуальная ситуация на международном рынке космического туризма? Мы живем в интересное время. Начиная с полета Денниса Тита на Союз, до начала этого года, Союз был единственным кораблем, способным... Allez, on tient le bon bout. 20 minutes avant le décollage. Ah, au fait, tu sais, bah, t'as peut-être entendu parler, Tiffany, que suite au vol de Virgin Galactic est interdit de vol maintenant. Parce qu'apparemment, ils n'ont pas respecté leur plan de vol. Au niveau du retour, c'est ça ? Apparemment. Bon, tu me diras, Richard Branson, le milliardaire, je pense qu'il s'en fout un peu, lui, il l'a fait. Tiens, petite question, tu penses aller à Toulouse ou pas, du coup, cette année ? Ouais. Faudra qu'on en discute. Parce que si moi j'y vais, en tout cas pour ma part, de mon côté, je suis tout seul à y aller. Bon, Reims, ça sera pas pareil. Mais bon, pour Toulouse, voilà. Puis c'est tant mieux pour Toulouse, parce que vu le trajet qu'il faut faire. Hein. Alors, t'étais en panique hier à cause de Facebook ? Ouais, mais c'est au niveau de Messenger, en fait. Bon, moi, des messages qui s'envoyaient pas, je recevais quelques messages, et après, blackout. Bon, bah, c'est juste qu'il y a eu une panne, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a toujours Discord. Ou les SMS classiques aussi. Après, il y a les emails. Bon, ça, c'est autre chose. Hein. C'est un autre délire. Какой статус России и Роскосмоса на международном рынке космического туризма и вот какие конкурентные преимущества? У Роскосмоса определенно есть свое место на рынке космического туризма. Safety, it's been flying in its basic form for over 40 years.
Союз является рекордсменом по безопасности в различных... Eh bien, vous êtes déjà 160 à être passé sur le direct. Très matinaux. Mmh. On s'en va encore. Но в то же время мы должны понимать значение космического полета для туристов. Большое значение имеет конечный пункт – оказаться в космосе, попасть на Международную космическую станцию. Est-ce que toi, tu aurais une autre question à poser dans le sondage, Tiffany? Vous savez quoi, on va mettre fin à ce sondage-là, je pense qu'il a fait son tour. Vous allez avoir le résultat qui va s'afficher, puis Tiffany, si tu as une autre question, n'hésite pas. Ouais. Kiss, aller dans l'espace et on en donner l'opportunité. Тома, как проходит подготовка японских космических туристов к полету на МКС? Да, они на ранних этапах своей подготовки. Отчеты, которые мы получаем от инструкторов, хорошие, и клиенты довольны. Сейчас они заканчивают подготовку по программе миссии, планируют, какие вещи возьмут с собой. Я думаю, они расскажут... Partiriez-vous dans l'espace? Oui ou non? Ou alors, Ну и последний вопрос. Вот на ваш взгляд, какова ценность проекта «Вызов»? I don't know. I'm not in the movie business. I can't talk about the whether this will be a start of something new. But I think. Allez, la question d'inspiration créative. Partiriez-vous dans l'espace si vous en aviez la possibilité? Мы достигли такого момента, когда у нас есть возможность запускать подобные программы. Alors, on a déjà. Je préfère les licornes et oui. Полетов, возможностей киносъемок в космосе. Bah écoute, chacun son délire. Это очень ценно и еще раз подтверждает, что МКС и экипаж станции в хорошем состоянии. Allez, 15 минутes avant le décollage. Перспективы проведения научных исследований на станции дополняются возможностью реализации медиапроекта. Я думаю, это замечательно. Ouais, j'aime bien. Благодарю вас, Том, за интересное интервью и до свидания. You're welcome. Thank you. Bye-bye. Ну а мы продолжаем. Это прямая трансляция, и мы возвращаемся на Байконур. Наш специальный корреспондент Влад Миронов наблюдает за всем происходящим сегодня в этот исторический день. Влад, еще раз приветствуем тебя. Ты снова в эфире. Рассказывай, представляй гостей. Давай. Да, доброго дня московским коллегам и всем зрителям нашей прямой трансляции. Мы в прямом эфире с наблюдательного пункта. Эта площадка удалена от старта на 3 километра. И да, Николай, безусловно, здесь огромное количество людей сегодня хочет воочию увидеть этот исторический путь. Пуск, прошу прощения. И прямо сейчас у нас есть возможность поговорить, собрать, так сказать, эмоции у дублирующего экипажа этой миссии и у дочери Юлии Пересильд Ани. Аня, вопрос тебе, как самый младший. Я знаю, что ты сегодня успела уже пообщаться с мамой до того момента, как она села в корабль. Как все прошло? Ну, все прошло хорошо. Пожелали им удачи и сказали, что очень любим ее и верим в нее. И вообще. Благодаришь? Волнуешься за нее? Немного волнуюсь. Правда. Ну, немного, потому что я знаю, что у них все будет хорошо, и потому что у них есть прекрасный командир, и есть они сами. Чудесные слова. Подскажи, пожалуйста, вот если вспомнить, когда мама тебе впервые сказала о том, что полетит в космос, что ты, вот какая у тебя была эмоция? На самом деле мы сидели в Грузии, ели хачапури, хинкали, и ничего не предвещало беды. Точнее, такого.
такого счастья. И вдруг нам позвонили и сказали, что типа вот Юля, мы вас там как бы просим пройти там проверку. То есть ты с ней была прям в тот момент, когда ей позвонили? Да, да. И мы сидели вместе за столом с друзьями. Потом она просто кладет телефон, молчание за столом, просто минуту. И вдруг она говорит, меня кто-то спросит. Ну я просто так говорю, ну понятно, как бы. Я сначала, честно, не поверила, и для меня это было, ну, каким-то чудом. Но, видите, все правда, да. Дублирующий экипаж, вопросы к вам, Ань, спасибо. Вы прошли весь путь от и до. Алена, вы вообще с кастинга, помните Юлю, все это вместе прошли. Что сейчас чувствуете? Желаете им удачи? Конечно же, я ребятам желаю удачи. Я уверена, что у них все получится. Они снимут отличное кино, и мы здесь встретимся, еще будем отмечать и продолжать съемки. Я верю в них, это самая лучшая команда. Олег, вы как командир дублирующего экипажа прошли все этапы, опять же, подготовки. Вот как вы оцениваете уровень готовности ребят из основного экипажа? Ну, готовы они на 100%. Можно им пожелать удачи. И, ну, пока радоваться еще рано. Надо подождать, пока они уже стартанут и долетят до станции. И тогда я буду очень рад, потому что я уже начну собираться догонять Антона. Да, и у меня где-то сколько? 175 дней для того, чтобы увидеть и собрать чемоданы. Да, Алексей, вопрос вам. Собственно, вы представляете, так сказать, техническую часть команды. Вы знаете подробности, которые сейчас очень многие хотят, между прочим, получить сценарий фильма «Вызов». Поделитесь с нами, пожалуйста, впечатлениями своими. Как вы думаете, получится все-таки у ребят вот снять те самые 35-40 минут, о которых сейчас много говорят, там на МКС? Готовы ли они к этому? Ну, я уверен, что у ребят точно все получится, потому что мы, в принципе, очень плотно готовились и как бы технической точки зрения по камерам и с точки зрения как бы физической подготовки. Поэтому в этой команде я точно уверен. Мы как бы старались, дублировали, но те, которые сейчас летят, это те самые люди, которые должны туда были полететь. Спасибо большое. Все-таки вопрос, наверное, вот к вам троим, потому что у Олега эта возможность еще будет. Когда-нибудь, если еще появится возможность все-таки полететь в космос, рискнете? Ну, она у нас может появиться. Это не намек. Я не знаю, можно ли об этом говорить? Нет, тогда. Но у нас может появиться эта возможность в ближайшее время. Хорошо, Аня, а ты бы последовала примеру своей мамы? Да, и я сейчас смотрю на это все и очень хочу. Очень хочу. Спасибо большое. С нами на связи был дублирующий экипаж и дочка Юли Пересид, Аня. Все желают удачи нашему основному экипажу, который совсем скоро уже стартует к Международной космической станции. Алле, 10 минут. Москва, я передаю слово вам. Давайте следить и смотреть этот исторический момент. Ну что же, мы тоже присоединяемся к пожеланиям удачи. Видим прекрасную дочь, прекрасные мамы. Благодарим вас. Влад, спасибо. Спасибо всем, кто принимал участие в этом замечательном прямом включении. А у нас сейчас специальный репортаж о том, как Байконур готовился к старту уникального проекта Роскосмоса и Первого канала. Давайте смотреть. Доброе космическое утро! Мы говорим всей нашей стране. Дорогие друзья, мы сейчас находимся на космодроме Байконур. Иван Ургант развлекает приглашенных сотрудников космодрома в 100 метрах от ракеты. Киногруппы устанавливают камеры на позиции, с которых никто и никогда не снимал пуски. А совсем скоро в этой ракете в свою космическую командировку отправятся актриса и режиссер. Во все это просто сложно поверить. Весь труд ради одной большой цели. Показать реальность работы ракетно-космической отрасли. То, что сегодня снимается вот так масштабно, грандиозно, в первую очередь для нас это чем хорошо? То, что люди увидят труд именно тех сотрудников наших, которые занимаются вот этими делами. Все то, что мы не очень хорошо знаем и всегда нас сильно интересует.
Было время, когда космонавтами дети прям хотели стать, играли в космонавтов. Сейчас как такое время прошло, мы по этому поводу тут дискутировали, обсуждали о том, что как так вот мы, в общем, пуски-то происходят регулярно, по там, больше 10 в год, а как-то мы за этим особенно не следим. Я убежден, что это как-то привлечет наше внимание и поможет и нам всем, и в первую очередь отрасли. Месяцы подготовительных работ, десятки совещаний и рекогносцировок, сотни задействованных специалистов, вызовы начинаются уже на Земле. Работать иногда приходится в тяжелых условиях, крепить камеры на 80-метровый диверторы. Эрик, espérons que tout se passe bien. Salut, Hervé. Для съемок всего нескольких планов фильма или протягивать оптоволокно по суровой казахстанской степи. Все это для того, чтобы как можно больше людей увидели исторический момент. Такого масштабного проекта, в принципе, еще не было. Это все признают, и мы действительно... Allez, 7 минут avant décollage. Действительно, с рядом таких задач, которые необходимо было не просто согласовать, но и разработать отдельные технические решения. Это чтобы подобрать такие точки съемки, которые как для кино, так и для трансляции, такие точки съемки, которые еще никто никогда с этих точек не работал. Так как это все-таки сложный технический объект, нам приходится многие вещи, там, часть камер мы крепим заранее. Салют, салют, tout le monde! Собственно, момент вертикализации ракеты и момент пуска. Вот на момент вертикализации у нас также будут камеры висеть на вертикализаторе, будут еще здесь на земле стоять. На момент пуска здесь будет раскидано 15 камер вокруг. Снимать кино про космос, это, мне кажется... Oui, merci, bonjour à tout le monde, tout va bien, cool, voilà. Космонавтов с ракетами совсем, и когда ты благодаря своей профессии можешь здесь оказаться. Allez, on est à 6 minutes avant le décollage. Казахской степи, прекрасные виды, прекрасные панорамы. Bah, dis-toi que j'ai manqué de le rater celui-là. Ah bon, pourquoi? Пески, барханы, bah écoute, je me suis couché un peu tard et puis ça fait gling gling, voilà. Tu vois, t'arrives pas trop tard. Non. Eh ben écoute, c'est l'actrice et son qui partent là, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Bonjour madame. Tiffany, c'était pour toi. Стартовые совещания, консультации. Это милейшие люди, которые нам здесь очень сильно помогают. Vous allez bien? Bien longtemps qu'on vous a vu. Oui, ça va bien. Je pense qu'on peut se tutoyer, hein. Ça va aller plus direct. On se aussi, hein. Ouais, tout à fait. Et j'ai entendu dans le que tu disais qu'il y avait Pierrick qui était là. Oui, il y a Pierrick dans le chat. Mais c'est mon Pierrick à moi, le Normand ou un autre? Pierrick Matelot. Alors c'est pas mon Normand à moi alors, parce que je connais aussi un Pierrick. Mais je lui dis quand même bonjour, hein, malgré que ça ne soit pas mon Pierrick. Allez, moins 5 minutes avant le lancement. Считанные минуты остаются до старта с Байконура. Ракеты с космическим кораблем. Места, в котором уже заняли Антон Шкаплеров, Юлия Пересильд, Alors, je suis un Pierrick, fils de... Вернее, под кульминацию нашей прямой трансляции специального гостя. С огромным удовольствием представляю... Alors, je suis un Pierrick, fils de Normand, mais je ne vous connais pas. Bien le bonjour à vous tout de même. Несколько минут до старта, давайте, собственно, наблюдать... Un Normand encore. Tu vois, on va arriver en force, hein, les Normands chez toi, là-bas. Hein. C'est ça. Allez, 4 minutes. Приятное ожидание. 4 минуты avant le décollage. Первый
Alors je vous préviens en avance, hein, comme d'habitude, au moment du décollage, je coupe nos micros et je mets votre son à fond. Donc si vous avez un casque audio ou autre, faites attention parce que souvent les décollages, ça peut être très très bruyant. Alors, des fois, on peut, non, mais la plupart, on a tous des casques maintenant et on peut se faire surprendre, quoi. Allez, 3 minutes avant le décollage. On va commencer à retirer un petit peu tout ce qui va gêner. Ça, déjà. Nous, Tiffany, je vais nous mettre en bas. Voilà. Il y a Ophélie dans le chat. Coucou. Salut Ophélie. Salut. Allez, si vous venez d'arriver, vous avez rien raté. Décollage maintenant dans 2 minutes donc du Soyouz MS-19. Donc, qui emmène l'actrice russe, son producteur et un cosmonaute du coup professionnel, plus du ravitaillement pour l'ISS. Et alors, par contre, vous faites pas avoir parce que l'amarrage, ça sera cet après-midi ou plutôt tout à l'heure, hein, parce que le direct commencera du coup à 13h45. Et d'habitude, Hervé, hein, on met au moins 24h et là, du coup, ça sera seulement quelques heures avant l'amarrage. Ouais, tout à fait, ouais. Mais je pense que c'était un ticket expérimental, hein. Quand ils sont à 24 heures, hein. Parce que normalement, je crois qu'en 2 heures ou 3 heures, ils sont montés, hein. C'est ça. Il y a Lewis qui nous dit, nous sommes 4 pour l'équipage et nous avons 200 passagers d'une société. Nous sommes actuellement aux Pays-Bas sur un fleuve, la Meuse. Un grand merci pour la vidéoconférence de vendredi. Ah bah, j'espère qu'elle t'a plu du coup. Alors, il y a 3 autres vidéos qui vont sortir, je suis juste en plein montage dessus. Ça, c'était la conférence avec les étudiants. Il va y avoir 3 autres vidéos. Alors, il y aura une autre conférence et il y aura plus une vidéo de la journée que j'ai passée avec eux. Mais c'est encore en plein montage. Mais normalement, il doit y avoir une grosse vidéo qui devrait sortir samedi. En tout cas, allez, on stoppe tout dans 50 secondes. C'est le moment du décollage. Alors attention, comme je vous ai dit, je vais augmenter le son à fond, donc faites très très attention. Et puis bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut leur dire avant que ça décolle? Bah écoute, on va leur dire merde. Et bah écoute. Allez, je vais laisser la caméra de la NASA. Ils ont l'air d'avoir un autre angle de vue. Décollage du Soyouz. Allez, le Soyouz vient de partir. Écoutez, le lancement s'est très très bien passé. Hop, on va revenir juste là. Je vais retirer ça. Je vais retirer également ceci pour avoir accès à la télémétrie. Donc là, séparation des 4 boosters pour vous aider à lire la télémétrie. Vous regardez en bas à gauche, il y a un compteur bleu. Il faut que le compteur bleu arrive à la valeur du compteur blanc juste à côté. Donc là, pour vous donner un exemple, on est à 55. Il faut qu'on soit à 113 pour la séparation des 4 boosters. Voilà, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et c'est comme ça qu'on va suivre l'évolution, en tout cas de la fusée. Allez, on y est bientôt.
Ça va pour toi, Tiffany? T'as compris comment marchait la télémétrie? Oui. Allez, séparation des 4 boosters dans quelques secondes. Le raton stylé de ouf. Ouais, c'est pas mal. Très beau lancement. Je vais laisser la caméra de la NASA parce qu'ils ont quand même un autre angle de vue. Ils ont une caméra au sol. Allez, séparation des boosters dans 3, 2, 1. Séparation des 4 boosters. Séparation confirmée. En ce qui concerne la télémétrie, vous avez du coup, c'est en kilomètre-heure en chiffres blancs. Regardez les chiffres blancs, donc vous avez la vitesse à gauche et l'altitude à droite. Allez, prochaine étape, séparation du premier étage normalement. Partie une gestation. Séparation de la coiffe, pardon. Séparation de la coiffe. Voilà. Donc séparation de la coiffe confirmée. Et du coup, séparation du premier étage dans à peu près une petite minute. On est déjà à une vitesse de 7000 km/h, altitude 82. On n'a pas encore franchi la limite de Kármán. Donc on vous rappelle que c'est 100 km d'altitude officiellement. Bah écoute, Hervé, Tiffany, tout se passe bien pour l'instant. Oui. Et je me permets de mettre le live un peu en retard sur NASA ISS Community. Il n'y a pas de problème. Vu le problème qu'on a eu, donc, comme il n'y avait plus Facebook. Ah, t'as ton micro qui s'emballe un peu, Tiffany. Allez, on vient de franchir la limite de Kármán, en tout cas. Ah bah. Ah, on pense la même chose, je t'ai déjà dit. Alors tu sais qu'il y a eu la passation de pouvoir. Oui, on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Donc je l'ai mis aussi sur le site. Notre ami Thomas Pesquet est commandant de bord. Eh ben. Génial. Allez, séparation du coup du premier étage dans à peu près 20 secondes. Je crois que je vais mettre le micro devant moi parce que il y a un moment. Allez, altitude 140 km d'altitude, 268 000. Allez, 10 secondes avant la séparation du premier étage. Donc là, le Soyuz MS-19 doit atteindre une altitude de 200 km d'altitude et 27 700 km/h pour atteindre sa vitesse au niveau de son orbite. Allez, séparation du premier étage. Ah, parce que l'image a bugué. Mais apparemment, la séparation est confirmée. Mais on a un bug sur le direct. Malheureusement, ça arrive. En tout cas, selon les données télémétriques, la séparation du premier étage a bien été effectuée. Ah, bon, on a des bugs sur image. C'est dommage, c'était bien parti. Donc théoriquement, il devrait faire 3 ou 4 fois le tour de la Terre avant de s'amarrer normalement. C'est ça. Bah tiens, petite question pour Tiffany. Vu qu'elle doit rattraper son retard. Tu veux lui poser la question, combien de temps met l'ISS pour faire le tour de la Terre? Bah vas-y, tu lui as posé, donc attends sa réponse. Tiffany, combien de temps met l'ISS à faire le tour de la Terre? Alors, 60... Alors, réfléchis, 60 minutes, 100 minutes, 90 minutes ou 300 minutes? 60, 90, 100 ou 300. 370. Toujours là, Tiffany? Et le chat, il faut pas tricher, faut rien dire, c'est uniquement pour Tiffany. Bon allez, je te raccourcis la réponse.
90, 100 ou 300. Toujours là, Tiffany? 90, tu as dit? Bah, c'est ça. C'était bien 90 minutes, le temps que met à peu près hein, l'ISS, on n'est pas à la seconde près, pour faire le tour de la Terre. Bon, je vais retirer l'image de la NASA parce que il nous donne maintenant la même image. Et je vais faire un petit bilan, en tout cas en ce qui concerne la question qu'on vous a que Tiffany hein, vous a posée tout à l'heure dans le chat. Donc, partiriez-vous dans l'espace si vous en aviez la possibilité? Vous répondez oui à 90%, non à 10%, et je préfère les licornes 10%. Il faut toujours mettre les licornes, ça marche toujours les licornes, je te jure. Ah, on commence à avoir des bugs au niveau de la réception des images. Normalement, on devrait avoir la dernière séparation, donc la séparation du troisième étage, dans à peu près une minute. Une minute séparation du dernier étage. A savoir qu'on vient, on est à 5 km, mais on vient d'atteindre du coup l'altitude niveau de l'orbite. Hein, donc on est à 200 km d'altitude. Et dans 30 secondes, même pas, on va atteindre la vitesse de croisière, donc 27 700 km/h. En tout cas, pour les Américains, c'est raté. De quoi qui est raté? Bah pour le premier acteur américain là, à bord d'ISS, une Russe. Ah bah ça. L'écran vert qui va faire croire que des gens c'est du faux. Oui. Non, c'est pas du montage cinéma, l'écran vert. Allez, séparation du troisième étage. Alors, confirmation télémétrique que le... Voilà, troisième étage séparé. Ok, tout est bon. On voit les RCS qui permettent de propulser au plus loin possible le troisième étage. Donc, troisième étage bien séparé. Il ne reste plus à l'heure actuelle que le vaisseau Soyouz, donc avec les trois cosmonautes et les propulseurs. On déploie les panneaux solaires. Donc là, on vient d'atteindre l'altitude de croisière et la vitesse de croisière. Et les moteurs, sont coupés. Donc là, normalement, niveau du lancement, tout est terminé. Bon, maintenant, voilà, on a des images numériques de comment se passe le vol. Elles sont pas mal, leurs images, j'aime bien. Ouais, mais en tout cas, tu vois, la technologie russe, malgré qu'elle soit un peu vieillotte, ça continue à fonctionner. Hein. Ça marche très bien. Ils détiennent toujours le record de lancement sans défaillance. De mémoire, là, on avait lu tout à l'heure sur la page Wikipédia, je crois que c'est le 142e vol habité de Roscosmos, ce qui est quand même pas mal. 142 vols habités. Donc dans les 142, on ne compte pas juste les lancements de satellites. Ça, faut les additionner. Donc bah écoutez, je pense que le direct niveau du lancement va s'arrêter dans quelques instants. On va attendre la fin de l'émission de Roscosmos. Si vous voulez suivre l'amarrage, le direct est programmé. Vous avez normalement le message. Il y a un message épinglé. Je ne sais pas s'il y est toujours. Si, il y est toujours. Le direct, ça sera à 13h45 pour un amarrage prévu vers 14h et quelques. Donc voilà, si vous voulez suivre l'amarrage, ça sera tout à l'heure à 13h45. Normalement, le direct de Roscosmos va se terminer dans quelques instants. Tiffany, qu'est-ce que tu en as pensé de ce lancement? Un peu long, l'attente, comme d'habitude.
Ракета-носитель стартует со стартового стола, и вот в этот момент, когда она летит... Ouais. Toi, Hervé, t'en as pensé quoi, du coup, bah, pour le peu d'images que t'as pu voir? Bah écoute, comme d'habitude, nos amis russes sont assez forts là-dedans. Donc, comme d'habitude, réussi, c'était super sympa, et puis voilà. Tu seras présent tout à l'heure pour l'amarrage? Bah bien sûr. Bon. Bah écoute, on retrouvera Hervé, on invite Tiffany, elle aura 2-3 petites choses à faire parce qu'elle vous prépare une surprise pour la semaine prochaine. Ça serait pas étonnant de la voir dans les journaux People, tu verras. Là, dans 2 semaines, je sens que vous allez la voir dans des journaux. Eh ben, on lui demandera un autographe. Je sais pas si tu lui demanderas un autographe, mais on verra. Tu veux pas leur donner un petit indice sur ce que tu vas faire, Tiffany? После контакта отделения, после того, как корабль отделился. Ты меня entendu, Tiffany? И тогда на Байконуре все можно сказать. Attends, il y a des petits problèmes de réception. Toi, même nous, on n'est pas dans l'espace, mais des fois, ça bug aussi. Non, tu gardes le secret? Eh ben. Peut-être dans l'espace que je ne sais pas. Mais je garde encore un peu le secret. Attends, je vais faire un petit truc. Прежде чем начинать автономное сближение, оно. Eh ben écoutez, moi ce que je vous propose, c'est vous la rejoignez sur sa chaîne, je vous mets sa chaîne justement dans le chat, et à mon avis elle vous donnera des nouvelles, et il y a ta page Facebook aussi, hein, si je me trompe pas. Oui, sur la page Facebook, космонавт Роскосмоса в нашей студии с интереснейшим. Donc ça sera la semaine prochaine, hein, que tu vas faire ton petit truc. Ракета сегодня с космическим кораблем. Проект «Вызов» начался. И с очень живым личным... C'est fait, je me suis abonné. Все легендарные 10 минут между стартом... Non, mais dis donc, non, mais dis donc. Et je vous mets sa page Facebook, alors c'est sa page professionnelle, hein, c'est la page cosplay. Et ouais, je pense que sur Facebook, tu donneras des nouvelles assez rapidement. En tout cas, une chose que je peux dire, c'est qu'il y aura des caméras. On va garder des images en archive. Eh bien écoutez, dans quelques instants, du coup, la fin de l'émission de Roscosmos. Et d'ailleurs, bravo, hein, Tiffany, j'ai vu que tu avais passé tes 200 abonnés. Et puis, bah écoutez, on va attendre encore un petit peu. Et en ce qui concerne, moi, les vidéos que je vous propose demain, demain 20h, donc elle est déjà programmée depuis 2 jours, vous avez une vidéo qui va sortir. Alors c'est pas moi qui l'ai produite, c'est la NASA. C'est une vidéo, bah Tiffany, on devait faire un direct justement sur cette vidéo là qu'on n'a jamais fait. Donc c'était le dernier vol de la navette spatiale, donc la navette Atlantis, qui a fait son dernier vol en 2011. Donc la NASA avait sorti un super beau documentaire de 10 minutes il y a à peu près 2 mois, qui est toujours disponible sur leur chaîne, hein, vous pouvez aller voir. Et moi j'ai demandé à un copain qui est professeur d'anglais de me traduire grosso modo, et là je voulais un peu raccourci la vidéo, elle doit durer 7 minutes. Et du coup je vous ai fait un petit résumé de la vidéo de la NASA qui était vraiment bien. Donc qui sort demain à 20h, donc c'est pas moi qui l'ai produit, hein, je précise, hein, c'est la NASA, j'ai juste remis un peu à ma sauce. Et en ce qui concerne moi, ce que j'ai fait avec l'astronaute et le directeur, le directeur juridique d'Ariane Espace, donc monsieur Philippe Claire, les vidéos vont commencer à sortir à partir de samedi. Et vous avez déjà, je pense que... Ah Hervé, tu n'as peut-être pas vu la conférence. Mais la conférence est sortie déjà il y a 3 jours, qu'on a donnée à l'UTT. Enfin, ouais. Non, je ne l'ai pas vu. C'est assez long. Je vous avoue, c'est assez long. Ce qui était marrant dans l'histoire, c'est que ça devait durer 1 heure, à peu près 20-25 minutes chacun. Ils étaient 2, du coup. Pour la conférence juridique, ça a duré 20 minutes. Et en ce qui concerne la recherche de vie extraterrestre, ça a duré 1 heure et demie. Donc si vous êtes intéressé par les petits hommes verts, vous allez avoir de quoi faire. Donc tu as appris des choses. Tu as vu qu'il y avait une vie peut-être au-delà. Je vous laisserai regarder. Donc la conférence est tenue par Michel Vizeau. Michel Vizeau qui a pris sa retraite. Hein, donc c'était un des premiers cosmonautes du coup de l'Agence spatiale européenne. C'est lui du coup qui a tenu la conférence sur la recherche de la vie extraterrestre. Il est toujours d'ailleurs
chef niveau recherche exobiologie au CNES, donc l'agence spatiale française. Écoutez, l'émission de Roscosmos touche à sa fin. Je pense que Tiffany va aller se reposer. Moi, je vais aller chercher mes enfants qui sont à l'école. Et puis, bah écoutez, pour ma part, on se retrouve tout à l'heure à 13h45 en compagnie d'Hervé, apparemment. Oui, oui, je confirme. Eh bah écoute, on sera avec Hervé du coup tout à l'heure. Tiens, je vais mettre nos grosses têtes pour finir le direct. Tiffany, bah voilà, je vous ai mis ces réseaux dans le chat. En tout cas, bah, je peux vous dire, voilà, il y aura des caméras, vous n'allez pas être déçus. Suivez-la si vous voulez en savoir plus sur ce qui va se passer. Hervé est de retour. Ah bah attends. Alors attends, parce que moi je vais couper un peu tout mon bordel. Alors, il m'a mis où Hervé? Il m'a mis tout en bas. Hop. Attends, j'arrive, je fais l'ascenseur. Voilà. Hop, ça c'est les petits réglages du direct. Non, bah écoutez, voilà, bah écoutez, on termine bien avec nos trois têtes, c'est pas mal. Ouais, c'est sympa. Donc, bah, Tiffany, on va te laisser être reposée puis aller boire ton café. Hervé, on se revoit tout à l'heure à 13h45. Alors, le vrai direct commence à 13h40, mais je vous explique, moi j'emmène mes gamines à l'école à 13h40, donc le temps que je revienne, voilà. Donc moi, ça sera 13h45. Le raton relais jeunes. Ouais, bah les jeunes, je vous rappelle que le raton, il est au collège. Hein. Et puis, bah écoute. Hervé, un mot de la fin? Bah écoute, oui, à tout à l'heure. Et puis, que ça se passe bien. Que ça se passe bien. Ça marche. Et Tiffany? Eh ben, merci à tous d'être passés sur le live, voire même d'être restés avec nous pendant toute la durée. Et bah, voilà, on espère que... Attends, c'est quoi? Ah, t'es au lycée, le raton. D'accord, ça marche. Bah ouais, écoute, moi aussi, je vous remercie. Vous étiez à peu près quand même 200 pour ce mardi matin à nous suivre. Donc c'était sympa. Moi, ce que je te propose, Tiffany, c'est vu que j'ai pas fait de direct hier sur la passation de pouvoir de Thomas, je te proposerais que je reprendrai son extrait et que si tu veux, on se fera un petit truc tous les deux. La vidéo, une petite vidéo sur la passation. Avec plaisir. Voilà. Bon bah écoutez, je vais laisser Tiffany aller se reposer parce que je sais qu'elle est claquée. Je vais lire un coup le dernier message de Lewis. Un superbe décollage, la technologie russe toujours fiable. Par contre, le stick de commande pas top. Nous sommes mieux équipés qu'eux. Alors Lewis est commandant de bateau. Ils sont serrés comme des sardines. Voilà, ça c'est le modèle russe. Hein. Et d'ailleurs les Chinois ont pareil avec Shenzhou. Hein. J'ai essayé de suivre, oui. D'accord. Voilà, écoutez, on va pas vous retenir plus longtemps, on va mettre fin au direct. Écoutez, bon appétit à tous, et puis bah, écoute, on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Bonne journée. Ok, moi, ciao, ciao à tous. C'est moi qui fais tomber le matériel. Allez, à tout à l'heure. Salut. Salut.